Bonsoir ou bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle soirée Sudam. Ça fait plaisir de vous retrouver un dimanche soir, parce qu'il n'y en avait pas eu la semaine dernière, donc déjà c'est déjà ça de nouveau. Et on n'a pas fait de soirée nord-américaine hier soir, parce que c'était un peu trop compliqué d'essayer de faire 4 heures de stream avec la gorge dans l'état dans lequel elle était. Elle n'est pas encore à 100%, mais au moins je ne suis pas tout seul ce soir, donc c'est déjà ça de gagner. Exactement, bonsoir à ceux qui sont dans le chat, et évidemment t'as tout trouvé, Nostromo. Je vais être accompagné de Vincent, que je vais saluer d'entrée. Vincent Dupont, pour ceux qui ne connaissent pas, mais les fidèles maintenant le connaissent par cœur. Salut Vincent. Salut Nico, salut Nostromo, salut le chat. Ouais, ça fait plaisir, là, ça fait... La semaine dernière, on n'a pas pu, du coup. Et là, on a raté le classico. Deux, même. Alors, c'était quoi, le classico? Bah, il y avait Huracan San Lorenzo, la semaine dernière. Ah oui, il y avait Huracan, ouais, c'est ça. Il y avait le Grenal aussi, mais bon. On s'est bien fait chier, n'empêche, sur le Huracan San Lorenzo. C'était compliqué. Extrêmement, voilà, ouais. Je sais pas si on doit essayer de vendre du rêve avec l'Argentine ou machin de manière générale. On va pas dire qu'on est en train secrètement d'espérer que le Brasileirão reprenne très vite, parce que c'est vrai que les matchs argentins sont très compliqués ces derniers temps, on va dire, de manière générale. Même, on peut le dire, de manière générale, c'est assez difficile. Tu vois, Nostromo, il y a un peu le nez, mais il y a surtout la gorge qui fait très très mal. Donc bon, et puis après hier, je vous aurais fait du Barry White, mais bon, voilà. C'était pas forcément le truc le plus fou. Bref, on est quand même ravis d'être là, on est quand même ravis de vous retrouver pour une soirée Sudam, vous en avez l'habitude, et si vous en avez pas l'habitude, on va vous expliquer ce qu'est le concept. On se pose devant un match, ce soir c'est River Godoy, ok, ça vend pas du rêve de fou, mais bon, c'est River Godoy, et on en profite pour parler du match, mais souvent, parce que en ce moment, je le disais, c'est compliqué les matchs argentins, on en profite pour faire un petit bilan, un petit tour complet de ce qui s'est passé en Am Sud, et on surveille d'autres résultats. Il y a le Super Classico chilien qui est en cours, on a passé l'heure de jeu, il y a toujours 0-0 si j'ai bien vu, j'ai pas été revoir le score depuis qu'on a pris l'antenne, mais il y avait 0-0 à l'heure de jeu. Bref, voilà, on va se poser sur ce River Godoy. On va basculer en mode match, là, tiens, tout de suite, comme ça, vous allez avoir droit au compo. Je vais vous lancer le chrono pour vous synchroniser, vous en avez peut-être l'habitude, ou pas. Si vous n'en avez pas l'habitude, je vais vous expliquer, on est en train de regarder le match sur un stream. Nous, on utilise Fanatize, je vous renvoie d'ailleurs vers la vidéo que l'on a extraite d'un 9-10. Pour savoir comment avoir accès à ce type de match-là en France, de manière légale à chaque fois, donc qu'elle soit payante ou gratuite. Pour l'Argentine, il n'y a pas le choix, c'est forcément payant, c'est forcément fanatisme, et ça fonctionne bien. Donc voilà, et c'est vrai qu'en ce moment, on va pas se mentir, Vincent, si on veut souscrire un abonnement pour l'Argentine, il faut être motivé. Ouais, non, c'est très compliqué, surtout que là, on a vraiment pas les meilleurs matchs, ni les meilleures équipes. Pour le coup, tu vois, le match de la journée, c'était peut-être hier entre San Lorenzo et Gimnasia. Tu vois, j'aurais pas misé sur un 4-0, loin de là. Mais ouais, après, Gimnasia joue à 10, donc intéressant. Aussi. Mais après, San Lorenzo comme 4, c'est quand même un petit événement. C'est vrai. C'est 3 de plus que d'habitude. Alors, petite anecdote, mon fils surveille le score et il me dit, d'après toi, il y a combien à San Lorenzo, Gimnasia? Je lui dis, 1-0 San Lorenzo. Et il me regarde avec des grands yeux du genre trop fort. Je dis non mais c'est pas dur, c'est comme l'Atlético Tucumán, San Lorenzo, ça gagne tout 1-0. Et il est revenu genre une heure après en me disant ouais ça gagne tout 1-0, 4-0. Donc tu vois, tu te prends le côté pile et le côté face de la chose, quoi. Donc bon. Mais voilà, on espère qu'on n'aura pas un 0-0 ce soir. Normalement il devrait pas y avoir parce que franchement. Là s'il y a 0-0, je pense qu'on va pouvoir se poser plein de questions sur De Michelis. Déjà qu'on peut. Oui. Après, franchement, regarde tous les résultats jusqu'à aujourd'hui. C'est quand même sacrément affreux. C'est vrai. Je vais les dire pour ceux qui ne sont pas forcément au courant. En ouverture, d'ailleurs, c'était tôt. C'était à 4h. J'avais totalement oublié, pour ceux qui jouent à Grande d'été. Je me suis fait avoir. J'ai pas eu le temps de faire mes changements. Barracas Independiente qui joue un vendredi à 16h. Bon, pourquoi pas. C'est-à-dire que même la ligue ou les diffuseurs, parce que j'imagine que... Je sais pas, tiens, qui a le pouvoir en Argentine, si c'est le diffuseur ou la ligue, parce que vu les droits télé... C'est le diffuseur, tu sais que je vais te dire pourquoi, parce que j'en ai parlé justement hier. avec une amie journaliste. Tu vois, par exemple, il fait très très chaud à Buenos Aires en ce moment. Et Racing, par exemple, là aujourd'hui, ils ont joué à 4 ou 5 heures, il me semble, à 5 heures. Et il fait genre 40 degrés. Et en fait, le truc, c'est que ils veulent déplacer les matchs, tout ça. Alors, il y en a qui demandent et qui y arrivent. C'est le cas, par exemple, de Central, qui s'y est pris à temps et qui va jouer, il me semble, ce soir à 21h30. Mais sinon, les diffuseurs refusent de faire jouer les matchs plus tard, pardon, alors qu'il fait juste... Enfin, c'est un été à Buenos Aires. C'est le pire depuis de nombreuses années, apparemment. Alors, moi, je suis bien content d'être parti, mais ils ont l'air de souffrir pas mal. Ouais, bah écoute. Bah bon, voilà, bref. Donc, tu vois, même le diffuseur s'était dit qu'un Barracas Independiente, un vendredi 16h, c'était parfait. Comme ça, ça se verrait le moins possible. Bah, en fait, le truc qui me choque le plus, c'est que, tu vois, Barracas doit jouer 2 jours parce qu'il joue dans un stade. Enfin, faut le voir, le stade de Barracas, pour comprendre ce que c'est. Mais vendredi, tu vois, c'est... Oui. Je sais pas, Barracas, ça joue le samedi, d'habitude. C'est vrai. Enfin, et donc, du coup, bon, l'avantage, c'est que vendredi à 4h, il n'y a personne qui regarde... Les erreurs d'arbitrage, certainement, parce qu'il y en a encore eu certaines. Bon, alors, c'est Independiente, on va pas pleurer, parce que Independiente, jusqu'à maintenant, ouais, un peu comme River, ils ont eu pas mal d'aventures, enfin, ils ont eu pas mal d'actions litigieuses, et puis après, à leur faveur. Après, historiquement parlant, Independiente, ils ont passé 20 ans à voler tout le monde, ils peuvent payer un peu. Oui, bah, surtout que c'est un peu ce qui se passait avec Grondona, sauf que maintenant, c'est... Bah oui. C'est plus Independiente ni Arsenal, c'est Barracas, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais bon, voilà, bref, on va se poser sur ce match. Je vois les questions, je vois les 2-3 remarques dans le chat. Celle de Red Le Rouge, hein, qui dit « Tant que je peux entendre Vincent dire Gold de River, ma soirée est refaite. » Écoute, on va l'attendre. Tout est prêt. Tout est prêt. Oh, on va l'attendre. On est, voilà, le matériel est en place. Tout va bien. Là-dessus... déjà contre Arsenal, c'était pas Jojo, mais si River face à Godoy de Michelis sera en grand danger. Honnêtement, comme je disais l'autre jour, hein, Nostromo, je pense qu'il sera en grand danger si River flop en Libertadores. Là, il va pas être en grand danger. Et les dirigeants actuels de River, enfin, ouais, si, actuels, parce que ça a changé il n'y a pas si longtemps que ça. Normalement, c'est pas du genre à jeter les entraîneurs très très vite. Donc bon. Voilà. Normalement, il n'est pas en danger tout de suite. Hein. De Michelis, va falloir vraiment qu'il flop sévère, hein, pour être en danger. Red Le Rouge qui me dit, qui nous dit, si personne ne diffuse le championnat argentin, est-ce que je pourrais le diffuser sur Twitch en restreignant la diffusion en France? Écoute, c'est une bonne question. Je pense que c'est le genre de choses qu'il faudrait dealer avec l'Argentine. Je pense que ça ne se ferait pas gratuitement parce qu'en Argentine, rien ne se fait gratuitement. Et donc, je pense que c'est mort. Donc voilà. Il y a des chances. Donc voilà, un peu à l'image de ce que fait RMC avec l'Europa League ou avec maintenant qu'ils ont acheté, mais ils ont acheté des droits, hein, pour les matchs de Ronaldo avec Al Nasser. Mais bon, là il faut des sous, hein, et on les a pas. Donc je peux même lancer une cagnotte, je pense qu'on les aura jamais. Donc voilà. Ouais, ça va être compliqué là. C'est ça. On va saluer... dire... Attends 2 secondes, je vais juste prendre le temps de saluer Pibé Volante qui arrive dans le chat. J'arrive sur le stream et ça parle d'Independiente et des échanges amicaux avec les arbitres. Bah oui. On parle d'une histoire. Je t'ai fait ton article, Pibé. Je t'ai promis que je parlais d'Independiente, ça a commencé, tu peux aller voir, je sais pas si t'as vu l'article. Mais j'ai tenu parole. C'est presque l'an zéro des 20 ans dont on parle, des 15-20 ans de vol d'Independiente. Donc voilà, je vous invite à le lire, c'est l'article qui a été publié aujourd'hui. Donc voilà. Question de Nostromo, est-ce que cette année, comme l'an dernier, il y aura une fecha des Classicos? Il y en a une? Non. Il n'y en a pas, hein? C'est un moment qu'il y en a plus. Ah non, sinon San Lorenzo et Huracan, ils n'auraient pas joué la semaine dernière. Bah oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Bon, tu sais, ils seraient capables d'en mettre une deuxième, hein. Ouais, et puis il y a déjà eu Colón Union. Non. Il n'y en a pas. Donc voilà. Ça a changé. Mais c'est pas plus mal, franchement, parce que c'est bien d'avoir des classicos séparés. Tu vois, autant la fecha, c'est intéressant parce que tu as tous les résultats d'un coup. Mais on en parlait, hein, les matchs en ce moment en Argentine, c'est vraiment pas ouf. Alors si on peut avoir des classicos de temps en temps, ça donne un peu d'intérêt, quoi. Bah après la fecha... on regarde pas ça pour le niveau de jeu. Non, mais après le truc, c'est que la fecha des classicos, c'est un petit peu bâtard aussi, dans le sens où t'en as qui en ont pas, quoi. Oui, non, bah oui, c'est donc sur clair, Utrecht et Classico, t'en as qui se retrouvent Vélez avec des matchs qui ressemblent à rien, quoi. Bah, Vélez, c'était qui? C'était pas Vélez Patronato, un truc comme ça? Ouais, je sais plus qui leur en collait, mais bon, voilà, il y en a, ils ont plus leur vrai Classico. Alors on a essayé d'en créer parfois des un peu factices, ou je sais pas si on peut dire factices, mais qui n'en sont pas vraiment, quoi, qu'on essaye de faire devenir. Il y en a qui on trouve des trucs en disant ouais, vas-y, essaye ça, mais au final, t'as pas de quoi faire 14 classicos chaque week-end, quoi. Non, non, non. Bah, après, il y aura une sorte de fecha classico à la Copa de la Liga, parce que tous les gros clubs devraient être séparés, enfin, les géants devraient être séparés dans des groupes différents, et il y aura une interzonale, comme on appelle ça. Donc là, ouais, il y aura une sorte de fecha classico, mais je sais pas si ce sera tous les classicos d'un coup ou pas. Mais en tout cas, ils vont s'affronter, peu importe s'ils sont dans des groupes différents. Ouais, donc voilà. Ce qui va nous donner en fait des matchs aller-retour, parce que c'est un peu ça aussi le problème de la Fecha Classico, c'est que ça, par exemple, je sais pas, tu pouvais jouer 2 fois au Monumental en deux ans, tu vois, ou je me souviens plus, mais il y avait eu quelques petits problèmes comme ça au niveau des localités. Bah, le problème, c'est qu'à partir du moment où tu mets un nombre impair de classicos, voilà. Oui, forcément. Forcément, il y en a un qui va pas aimer. Il y en a un qui va pas aimer. C'est quoi le programme, nous demande Raph. On est sur River Godoy, on surveille d'autres petits résultats. Comme dirait de Le Rouge, il y a Estudiantes mène 1-0. J'ai déjà oublié contre qui il jouait, Estudiantes. Contre Huracan. Ah oui, c'est vrai, Huracan. Je sais pas pourquoi j'ai oublié contre qui jouait Estudiantes, c'est bizarre. On va arrêter d'être méchant avec Estudiantes tous les dimanches quand même. Il y a peut-être des vrais supporters d'Estudiantes, peut-être une possibilité pour River là. Et non, parce que le centre était bon et je sais pas qui est venu se faire a voulu couper et s'est fait découper. C'est Aliandro, il me semble. Et l'arbitre assistant a levé le drapeau. Hors-jeu, il devait peut-être y avoir un hors-jeu. Ouais. Alors on va attendre le râle. Ouais, il y avait hors-jeu de toute façon. Ouais, il y avait hors-jeu. Et Gaël nous dit la NWSL, on a droit de co-stream sur Twitch. Ouais, tu peux co-stream sur Twitch. Mais le problème, c'est que l'Argentine n'est pas diffusée sur Twitch, par exemple. Donc, tu vois, tu peux même pas envisager le co-stream. Après, tu pourrais essayer de dealer, effectivement, ce que fait RMC. Tu pourrais essayer de dealer... une diffusion géolocalisée sur Twitch. Mais c'est une bonne question. Déjà, il faudrait savoir qui on pourrait contacter. Et il faudrait savoir combien ça coûterait, cette histoire. Mais à mon avis, quand tu es européen et que tu vas voir les Argentins pour leur dire « On voudrait bien acheter, on voudrait bien diffuser la sur Twitch », les sommes vont être assez folles, je pense. On est d'accord. Ouais, bah, faut bien financer le stade de Barracas. Hein. C'est ça. Donc voilà. Je vois ta question, Red Le Rouge, sur Beltran. Eh ben, on va en profiter d'ailleurs parce qu'on les a pas donnés. Regardez un petit peu les compos. T'as un truc avec ton micro, Vince, qui frotte, je sais pas où. Donc fais gaffe à ça. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les compos, on va aller regarder parce qu'effectivement, alors moi je l'ai dit en off à Vincent parce qu'il n'avait pas encore vu la compo de River. J'ai encore une compo Nawak de Demichelis. Il n'y a pas énormément de changements. On commence à s'y faire. C'est pas le roi de la rotation. On va attendre, on va peut-être suivre cette action parce que Paradella essaye de lancer Beltran qui est bougé à l'épaule. Non, il n'y aura rien. J'essaye d'avoir un penalty. Ouais, je suis pas sûr qu'il y ait péno là-dessus quand même. Hein. Donc, non, il n'y a rien. Donc voilà, attention à la récupération haute de River, le truc qui arrive suffisamment rarement pour être signalé. De la Cruz qui croise et c'est non cadré. Voilà, on va pouvoir se poser sur les compos. Pas d'énormes modifications, hein, en tout cas ni dans le système. Ni souvent dans les hommes côté Demichelis, mais quand même 2 surprises, si, pour une fois. Et comme souvent, j'ai envie de dire avec Demichelis, pas forcément les bonnes surprises, puisqu'il a décidé de mettre Paolo Diaz dans un couloir. Bon, voilà, je sais pas ce qu'il fait. Il a flingué Herrera qui avait tenu la baraque sous Gajardo et en attendant le retour de Robert Rojas. Rojas est revenu, ça fonctionnait. On fout Paolo Diaz. Bref, il laisse toujours l'association Aliandro-Enzo Pérez au milieu. Ça, j'ai l'impression qu'il n'y touchera plus. Quand on voit dans quel état Enzo Pérez n'a pas fini justement le dernier match, on peut quand même se poser des questions sur la suite de la saison de River. Si Enzo Pérez doit jouer absolument tous les matchs, vu son âge, vu la dépense d'énergie, parce que souvent il se retrouve tout seul devant la défense. C'était un peu le cas la dernière fois, il était complètement cuit. Et donc la surprise, elle est là, elle est devant. On a le retour de Nico de la Cruz au milieu. ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée. Ça sort Solari, ça sort Barco. Il continue de nous mettre Paradella sur le côté droit. Bref, on va arrêter de dire du mal de Paradella. Peut-être que ça finira par le faire sortir du 11. Et la surprise, c'est que River a mis de la thune sur Borja, a mis de la thune sur Rondon. Et c'est Lucas Beltrán qui joue en pointe. Ouais, tout à fait. C'est un peu la surprise. Mais en même temps, les deux ne... Bon, après, tu vas me dire, Borja a marqué contre le grand Racing de Cordoba. Donc, on a peut-être espoir de le récupérer. Mais c'est assez surprenant de voir les deux sur le banc alors que... on aurait plutôt misé sur les deux ensemble, tu vois, à la base. Et au final, c'est Beltrán qui est quand même discuté depuis un sacré moment. Je me souviens que déjà, quand il y avait Gachardo, on se demandait un peu s'il jouait pas parce que c'était l'ami du fils de Gachardo ou des trucs comme ça. Mais au final, c'est celui qui... Bah, le fait est que Beltrán avait été envoyé en prêt et ensuite est revenu faute d'avant-centre. Parce qu'il y avait la blessure de Mathias Suarez, parce qu'il y avait le départ de Julian et tout. Et Beltrán, en fait, c'était un peu la cinquième, c'était un peu la cinquième roue du carrosse. Hein. Et, ouais, tout à fait. Et là, maintenant, le voir passer, entre guillemets, devant Borja et Rondon, autant Borja a eu un petit peu sa chance, façon de parler, parce qu'on est franchement, on n'est qu'en début de saison. Mais Borja, on l'a déjà vu sous Gachardo. Franchement, Rondon, il a quoi, là? Une titularisation et demie? Ouais, il est rentré à 60. Après, honnêtement, t'as dû revoir le match contre Lanús, par exemple. Franchement, c'est un peu un fantôme, quoi. Après, il faut du temps d'adaptation, évidemment. C'est un bon joueur, on le sait. Il a déjà prouvé. Après, il faut s'adapter, tu vois. Je sais qu'on a toujours tendance à dire que les maillots pèsent lourd. Oui. Celui de River en fait partie. C'est pas facile de jouer à River. Et on verra. L'avantage, c'est que, bon, tu le disais, il est arrivé gratuitement, mais il ne doit pas avoir un salaire. Ouais, ce que je veux dire par. Que Beltrán, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que je pense que niveau salaire, c'est un investissement, Rondon. Oui. Et c'est surtout le fait de l'annoncer. Enfin, voilà, c'était. On va pas se mentir. C'était comme Borja, c'était la grosse signature du mercato, Rondon. Et ouais, il a joué un match. Je vais aller vérifier parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. J'ai la sensation qu'il n'a qu'une seule titularisation en championnat. Je vais aller checker parce que voilà, comme ça au moins je dirais pas de bêtises. Mais bon, le voir déjà doublé par Beltrán. Enfin, je comprends pas le choix de Beltrán. Mais voilà, avec River, on est où? Il est là. Avec River, il a deux titularisations, pardon. Il a joué contre Arsenal. Et il a joué contre Lanús où il est sorti à 20 minutes de la fin. J'avais oublié que tu vois, bah remarque, il n'a pas dû faire un gros match non plus. J'avais oublié qu'il était titulaire face à Arsenal. C'est pour ça que je te dis que et le match contre Arsenal, on l'a vu ensemble et ouais. Il n'a rien fait non plus. Tu vois. Après, c'est River qui n'a rien fait. Aussi. Plus que Rondon. Tu vois ce que je veux dire? Parce que après, honnêtement, tu vois, quand River a augmenté de la pression, tout ça. On l'a pas trop vu non plus, quoi. Alors que, par exemple, un De La Cruz, rien à voir, c'est pas le même poste, hein, mais tu vois, De La Cruz, par exemple, on sent que son retour fait du bien, tu vois. Ouais. Même si, bon, c'est pas comparable, parce qu'il y en a un qui est neuf, et il faut mettre des buts, et on sait que... Je sais pas quel type de joueur est exactement Rondon, mais par exemple, je peux faire le parallèle avec le rival. Benedetto, quand il met pas de but, il est nul, quoi. Il est horrible. Mais quand il est en forme, il met 3 buts, ou il en met 2, et ça fait du bien. Après, c'est toujours un peu le problème avec ce genre d'avance, tu vois. Après, le gros problème de ce River, c'est qu'on est en train de le voir là avec la percée de Beltrán, qui va réussir à ouvrir sur le côté droit, mais collectivement, il n'y a pas grand-chose. C'est encore le cas, hein, là, ça fait, vous voyez le chrono, hein, 23 à 24 minutes qu'on joue. Les seules offensives de River, ce sont des percées individuelles, hein, qui... C'est pas, on ne déplace pas le bloc de Godoy par du jeu collectif ultra fluide. Hein. Franchement, c'est... On sait, on va le répéter, le dire tout le temps, il faut du temps, il faut pas comparer Gachardo et tout. Enfin bon, là, on a l'impression qu'on a changé d'équipe, là. Donc, c'est compliqué, quand même. Ouais, tout à fait. L'intensité, elle n'y est plus du tout. Je vais prendre le dernier match contre Lanús. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu River défendre comme ça? C'était quand le dernier match où River a autant défendu? Et aussi mal. Parce que franchement, ouais, parce que c'est ça en fait. Et puis en plus, c'est dans la manière de défendre. Parce que moi, je me souviens d'une fois où on peut parler d'un super classico. Quand River va chercher un 0-0 à la Bombonera, ça doit être Ça doit être en... En Libertadores 2015. Ouais, bah, je me demande même si c'est pas le match arrêté à la mi-temps. Le match arrêté à la mi-temps, puisqu'il me semble que River est en défense à 5 ce soir-là. Je crois que c'est celui-là. Il me semble aussi en 2015. Ouais, ouais. Mais c'est pas en mode garer le bus, quoi. C'est en mode... y a quand même encore l'étiquette Gachardo qui est d'aller chercher quelque chose, mais en bloquant surtout l'adversaire. Là, le truc vraiment, c'est qu'on a l'impression que collectivement, ils savent pas quoi faire, les gars. Il n'y a pas de déplacement entre les lignes. Il n'y a pas les déplacements des joueurs comme il y avait encore l'année dernière. C'est très statique, très scolaire. Red le Rouge nous dit, j'ai l'impression que le 4-2-3-1, c'est un peu le nouveau 4-4-2. On fait ce genre de compo quand on ne sait pas quoi faire. C'est pas faux. C'est un peu l'impression que ça donne. En fait, la sensation, c'est qu'on ne voit pas d'identité pour l'instant pour River. Non, 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 ouais, aucune. Après, bon, comme tu... Les résultats sont pas si mauvais, donc ça peut continuer un moment, surtout quand tu es dans un championnat comme ça, où il reste encore beaucoup de temps. Ouais, mais River est quand même un effectif quand même très supérieur à peu près tout le monde, quoi. Il y a... À part Boca, qui peut rivaliser en termes d'effectifs? À la limite, Racing n'est pas si loin de River, mais alors ça, tu sors les trois là, tu vas pas... Ça, on est d'accord. On est d'accord. Mais on va faire un parallèle avec ce qui se passe en France, sans tirer sur les ambulances. Mais ils ont de la marge en championnat, ça, on est d'accord. Hein. Ils vont pas finir, ils vont finir dans le top 5, River, hein, sans problème. Avec l'effectif qu'ils ont, ouais. Ils finissent dans le top 5, normalement, sans problème. On va voir après avec la Libertadores s'ils vont envoyer les U8, là. Mais le problème, c'est que c'est un peu comme Paris en France, quoi. C'est-à-dire que tu as beaucoup de marge en championnat, donc tu peux te permettre d'être mauvais, entre guillemets, collectivement, de ne pas avoir véritablement d'idées, et tu t'en sors par tes individualités. Sauf que quand on va arriver à l'étape au-dessus, à l'étage au-dessus pour River, c'est-à-dire quand il va falloir commencer à se farcir les Brésiliens en Libertadores, ça va être une autre chanson, quoi. Ouais, ouais. Après, moi j'ai un peu d'espoir pour cette Libertadores, tu vois. Faut que Victor Pereira continue à la tête de Flamengo, ça c'est impératif. Flou me fait bien peur, Palmeiras évidemment. Pour le reste, j'attends quand même de voir. Corinthians va être chiant. Ouais, j'attends de voir. Mais justement, ils ont plus Victor Pereira, donc voilà. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et ouais, mais ça change tout. Après, je suis pas convaincu que Victor Pereira soit là toute la Libertadores côté Flamengo, tu vois. Non, non, c'est un peu le problème, ouais. D'ailleurs, est-ce qu'il y sera? Bah, on va vite le savoir, hein, s'il gagne pas le Carioca, à mon avis, dégage. Et la frappe. Ouais, exactement. Et la frappe pendant ce temps-là de Nicolas Fernandez. Je vais vous donner la compo de Godoy. Elle est affichée à l'écran. Je suis pas convaincu que le grand public connaisse beaucoup de joueurs dans cette équipe. Je sais pas qui pourrait être le plus connu dans cette histoire. Thomas Konechny, peut-être. Bah, ancienne pépite, comme ils aiment bien dire. Ouais, je me souviens qu'il était, bon avec les... Enfin, il était bon, moi je l'ai jamais vu jouer, hein, mais selon les scouts, il était bon. Mais maintenant, il joue à Godoy. Voilà. Après, il a marqué contre Racing à la première minute la semaine dernière, donc pourquoi pas enchaîner contre River? Pourquoi pas? Mais voilà, donc sinon, effectivement, pas forcément des noms très connus du championnat. Ouais, Gonzalo Abrego, très bon joueur dans l'entrejeu, on est d'accord. Attention à Beltrán! Oh, l'enchaînement de Lucas Beltrán, voilà. On a été méchant. Et ben voilà. Ouverture du score de Lucas Beltrán qui a contrôlé dos au but, qui nous a fait deux crochets, on va pas dire à une vitesse intersidérale. Enfin, deux, je sais pas comment on peut dire, comment il s'est retourné. Mais ultra efficace pour le coup. Et c'est donc l'ouverture du score pour River. River qui n'a jusqu'ici rien montré, mais une fois de plus, qui s'en sort sur un exploit individuel. Il y a eu ce débordement. Il me semble que c'est Paradella qui se jette pour centrer au... Non, c'est Nacho Fernandez au bout de sa course. Et Beltrán qui parvient à se retourner, crocheter. Il est beau son butin quand même. Hein, ouais, elle est dure à mettre. Le numéro 2, par contre, c'est Barrios, je crois, défensivement du côté de Godoy. Je suis pas persuadé qu'il peut un peu s'en vouloir parce que, comme tu le disais, il se retourne bien, c'est pas évident, mais il y avait de quoi le stopper, quoi, parce que c'était pas non plus en mode Ronaldo. Mais c'est pas très bien placé la frappe. Voilà, c'est ça. On va pas dire que l'enchaînement se fasse à une vitesse incroyable, mais l'enchaînement est propre. La frappe croisée derrière, voilà. Ouais, je sais. Ouais, précise. Beltrán marche tellement sur l'eau depuis un mois, j'ai l'impression qu'il peut marquer dans n'importe quelle situation, nous dit Pibé Volante. Ouais, c'est relatif, hein, le marché sur l'eau de Beltran. Hein. Mais bon, oui. Voilà. Moi, je suis pas ultra convaincu par Beltran, hein, mais... Bon, voilà, quoi. En tout cas, il a ouvert le score. Il a ouvert le score. Sur... Non, puis 3 buts, quoi. 3 buts en 3 matchs. Ouais, il a marqué contre Lanús, il marque contre Racing, il marque ce soir contre Godoy. En pré-saison, il avait marqué 2-3 fois aussi. Le River Betis, j'y étais, il avait mis un but. Il me semble que contre Vasco, il en met un aussi. Et l'autre, c'est contre un des Mexicains. Je crois que c'était Monterrey, si je dis pas de bêtises. Non, il avait marqué aussi. Ouais, attends, sur la pré-saison, moi j'ai souvenir du match contre la Calera. Mais là, ça fait 0-0, je crois. C'est le match où ce Okranaviter s'éclate. River Monterrey, je viens de vérifier, c'est ça, ouais, le 10 janvier. Ouais. Là, il met le seul but du match. Là, donc, tu vois, bon. Il va mettre encore plus la pression à ces deux concurrents. C'était quand même assez inattendu, ça. Mais... Ouais. Après, quand tu joues dans ce système-là, avec une seule pointe, c'est compliqué quand même parce qu'il va falloir les gérer, les deux autres. Je ne sais pas s'ils sont faciles à vivre ou non, mais les égos, tout ça. Ouais, ça, c'est une bonne question. Après, pour en revenir, j'étais en train de regarder ses stats de la saison dernière. Hein. Il avait marqué 4 buts hein, à son retour à River entre juillet et octobre. Donc voilà, il avait joué 21 matchs quand même hein, avec River, 4 buts. Il en avait mis 5, c'était à Cologne. Je ne me rappelais plus où il avait été prêté. Vous vous souvenez, c'était un... Voilà. Mais voilà. Marque quelques buts importants pour le coup. Enfin, disons que quand il sait saisir sa chance, le garçon. Voilà. Donc, parce que River, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, l'avait rappelé parce qu'il y avait un déficit d'avant-centre quand ils l'ont rappelé, puisque Julian était parti, puisqu'il y avait des blessés. Et il avait fait plus ou moins son taf. Hein. En tout cas, le mois de juillet, quand il était revenu, il marquait à chaque match. Le problème avec Beltran, c'est que ça dure jamais. Donc on va voir, on va espérer qu'on déclenche l'effet LO. Salut Rodolphe. Est-ce qu'il y a des pistes mercato cet été? Alors que Pibénolin nous dit c'est relatif, mais j'avais pas d'autres expressions sous le coude. Ouais, d'accord. Pour Beltran, est-ce qu'il y a d'autres pistes mercato d'été? Pour l'instant, non, il n'y a pas de pistes mercato à River. Hein. Oh là là, on est très tôt là. Ouais, là, peut se passer. L'Argentine peut être en faillite. Non, il peut se passer beaucoup de choses. Ouais, parce qu'il faut faire attention avec... Oh, bien joué, Nico de la Cruz. Il faut faire attention aussi avec l'argent touché par Enzo Fernandez. Hein. Une grande partie est perdue. Hein, donc, Ouais, c'est ça. Après, honnêtement... Le stade, je ne sais pas si ça leur coûte si cher que ça, au final. Tous les travaux, tout ça. Comme y a le sponsor et tout, je ne suis pas persuadé que River va perdre énormément d'argent là-dessus. Ouais, c'est une bonne question. Surtout non, mais je pensais en termes d'argent perdu, je pense surtout à la conversion dollar. Ouais. Voilà. Hein. Ouais, totalement. Bah là, on va avoir les élections en fin d'année, donc avoir petite info économie très très rapide. Par exemple, quand c'était Macri, le président. Le dollar blue n'existait pas en fait parce que tu pouvais acheter des dollars librement. Donc tu vois, si on repasse avec quelqu'un du pro par exemple, c'est probable qu'il refasse un petit peu ce genre de choses. Et au niveau des clubs, forcément ça aiderait parce que Brito, le président de River, avait annoncé que très clairement River allait recevoir l'argent au taux officiel. Donc tu perds la moitié. C'est ça. Concrètement. C'est ça. Après la moitié de 42 millions, ça reste quand même pas mal d'argent. Ça reste une somme absolument énorme hein, pour un club argentin. Mais voilà, parce que les budgets des clubs argentins sont pas fous non plus. Hein, on n'est pas au Brésil, hein, donc voilà. Mais ça reste une somme absolument folle. Hein, surtout pour River qui a jamais l'habitude de vendre bien. Et qui quand il vendait bien à une époque où il a plus ou moins pas trop mal vendu et à une époque où il perdait pas la moitié dans la conversion, il perdait les 3/4 parce que les dirigeants partaient avec. La bise à passer là. Et voilà, donc ça reste une sacrée somme. De la Cruz est en fin de contrat cet été. Non, Raph, il a prolongé jusqu'en 2025. Nico de la Cruz, il a dû prolonger en décembre dernier. Donc il n'est pas en fin de contrat. C'est d'ailleurs une bonne nouvelle. Oui, pour River. Je pense que... À voir s'il va rester. Tu vois, je pense qu'il a aussi prolongé... en augmentant la clause libératoire peut-être, mais certes, il a quand même du potentiel ce garçon. Honnêtement, je pense qu'il pourrait... Je le vois bien en Europe, moi. Ah, tu le vois en Europe? Je sais pas ce que t'en penses. Non, je le vois pas en Europe. Ouais, je pense. Au Brésil? Non, je le vois en MLS. Ah, MLS, ouais. C'est vrai que j'oublie tout le temps la MLS, mais. Mais je le vois pas en Europe. Parce que quel âge il a? 25 ans. Ouais, Bah, c'est vrai tu que j'ai vois, moi je l'impression trouve qu'il qu'il est a un plus vieux à chaque style. fois. Non, il reste quand même assez jeune. Mais en fait, ce style un peu box-to-box, tout ça, je pense qu'il pourrait s'adapter. Après, tu vois, le dernier exemple que j'ai en tête, moi, il me fait penser un petit peu à Nandes, un peu plus offensif que Nandes. Mais tu Mm. vois, Nandes, par exemple, je pensais pas qu'il allait autant se foirer, tu vois, parce que là, il est en Italie, je sais pas trop où. C'est pour ça que Mais je je. m'attends. C'est pour ça que j'ai. En fait, c'est pas que je le vois pas en Europe, c'est que j'aimerais pas le voir en Europe à la Nandes. Ouais, ça ferait, Je c'est embêtant, quoi. préférerais le voir aller percuter en MLS, se faire plaisir, quoi. Si c'est pour le retrouver dans un club comme Elche, Almeria, Girona ou des conneries comme ça, ou du Cagliari machin, bah, non, on reste à River, mec. Oui. Après, on sait que Ouais. Ça Et- se joue pas que là-dessus, hein, mais oui, Bah il est après, si temps. la MLS paye bien, Bah, la MLS, normalement, paye pas trop mal, ouais. Même si elle salary cap, mais si tu arrives à bien gérer, tu peux arriver à te mettre en DP, en Designated Player, et là, t'échappes au salary cap. Bon, après, il n'y en a pas 50 par équipe, mais bon, doit y avoir moyen de bien gérer le truc quand même. Donc, je pense que tu peux pas être trop perdant en signant en MLS, dans la MLS actuelle. Il me semblait avoir vu ouais, qu'il était surtout que ça annoncé lui en Europe correspond dernièrement. plutôt bien, Il a quoi, le été style annoncé de en jeu. Europe plusieurs fois, hein, Nico De la Cruz, hein. Et pas que dernièrement, Raph, hein. Donc oui, c'est fortement possible. Je t'avoue que je prête pas forcément beaucoup d'attention aux rumeurs transfert parce que, surtout en Amérique du Sud, euh, la règle de base, c'est que la plupart des rumeurs transfert, c'est les agents, hein. Donc bon, même en Europe, hein, tu vas me dire, mais en Amérique du Sud, on invente souvent des offres en Europe pour dealer de meilleurs contrats très vite, hein. Donc bon. Ouais, le ballon sur la droite, on va revenir un petit peu au match. Ouais, exactement, il peut se faire plaisir si ça se goupille bien. Et Aliandro qui a tenté à percuter. Et pas de gros pressing de River, hein. Vraiment pas. Heureusement qu'en face, il n'y a pas grand-chose. Parce que là, pour le coup, je pense que. Bah, remarque, c'est ce qu'on avait dit sur Arsenal et Arsenal a gagné. Mais bon, normalement, avec Godoy, il n'y a pas grand danger, quoi. Normalement. Alors, je crois que j'ai perdu Vincent. Je vais aller checker ça. Ah oui, j'ai perdu Vincent. Donc, il va revenir, on va pas s'inquiéter. On a perdu le Vincent. Le revoilà, je le Alors, vois arriver. Ouais. bizarre, parce que pour le coup, mon stream a pas sauté et Twitch non plus, mais c'est vidéo, je crois qu'il buguait. Bon, Ouais, c'est possible, ça arrive, ça arrive. Bref, je disais, je sais pas si t'as entendu, même si c'est ce qu'on disait sur Arsenal, normalement il n'y a pas grand danger ce soir. non, ça devrait le faire. Après, bon, on n'est pas à l'abri, hein. Regarde l'autre fois ce qui s'est passé. Faut Même voir si, parce ouais, mais que. même si Arsenal avait quand même un petit peu plus d'intention dans le jeu Ah, que. totalement. Bah, Red Leroux, je dis Godoy est venu le pantalon baissé, totalement, quoi. C'est une très bonne expression. Par contre, moi ce que je trouve assez dingue, je sais, je vais être pénible là-dessus parce que je vais passer ma vie à comparer, mais c'est normal. Mais River laisse la possession, quoi. Ouais, c'est étonnant. Ne Après, va en pas plus, chercher l'adversaire, les mecs, ils les laissent bah, tourner tranquillement, ils les laissent respirer en fait. Ce qui fait le plus peur là-dedans, c'est que c'est pas. Enfin, tu le disais, quoi, il leur laisse le ballon, mais en face, t'as pas d'intensité pour, je sais pas, pour défendre ou quoi. Là, si tu joues contre une très bonne équipe, je sais pas, par exemple, un Palmeiras ou quoi. Bah, après, je sais pas, qui laisserait le ballon à qui entre River et Palmeiras? Mais ça peut vite faire mal si quelqu'un se débrouille bien. Et c'est pour ça qu'on attend de voir. River a toujours pas joué de grosse équipe Mais c'est ça, pour c'est l'instant. ça. Et j'ai envie de te dire, tu vois, tu les mets face à des équipes joueuses, ça peut faire mal, hein, ça peut être compliqué, hein. Remarque, ça a été compliqué contre Lanous, hein, tu vas me dire. Ouais, c'est ça. Alors que, tu vois, l'anneau, c'est pas non plus extraordinaire. C'est pour ça que j'attends de voir. Bah, après, l'avantage, c'est qu'en première division, il n'y a pas beaucoup de grosses équipes. Donc, faut voir quand t'es prévu le match contre Racing et quand t'es prévu le match contre Boca. C'est à peu près les deux fois où tu peux avoir un peu de pression. C'est ça. Et encore, hein. Et Tu vois, encore, Racing est Boca, pas ouf là, hein. Boca River. Non, Racing s'en sort bien cet après-midi. Grosse première mi-temps. En deuxième, ils ont. Sarmiento avait de quoi égaliser, honnêtement, même. Et Racing River, attends que je regarde ça. Non, River Racing, c'est de la dernière journée. Ah oui, donc on a le temps. Ils joueront avec les U20 ce jour-là. Ça doit être coincé entre des matchs. Juillet. Bah, juillet, non, tu vas être coincé au niveau des 8e de Libertadores. Tu crois? Attends, le 30, le week-end du 30, je pense pas qu'il y ait de Libertadores le week-end du 30, si. Bah, la semaine. Voilà. À checker. Possible. Ouais, c'est fort probable. Hein. Ouais, c'est possible. Et Boca River, je crois que c'est en mai, si je dis pas de bêtises. Je sais Boca pas du tout. River. Je le week-end de River, ouais. J'ai oublié quelque chose d'important, mais bon, c'est pas grave, on le fera. Oui, je sais, je t'ai rien dit. Non, mais je vois en fait que. Merci de ne pas me le rappeler, Vincent. Ah, évidemment. Et évidemment. Je savais que je pouvais ne pas compter sur toi là-dessus. Aïe, aïe, aïe. Alors, comment ça se passe au Chili? J'étais en train d'essayer de regarder ça. On était à 0-0 à l'entrée du dernier quart d'heure. Hein. Ouais, dans l'autre match, Huracán est toujours en train de perdre 1-0 là-bas. Et ouais, 93e là, 93e même. Ah, 10 minutes de temps supplémentaire au Chili, entre Colo-Colo et Lao de Chile. J'essaierai de de quoi revoir ça, et ça risque d'être funky. Ouais, un petit résumé, sinon ça peut... oui, aussi, ça peut être ça, mais bon, on verra, on trouvera des moyens. Mais ouais. Après, entre un Colo-Colo qui va pas trop bien et la OU qui va mieux en ce moment, hein, donc ça pouvait donner un accident. La OU, ça fait 21 ans hein, qu'ils n'ont pas gagné au Monumental, hein, contre Colo-Colo. Et ça fait 12 ans, je crois, 12 ou 13 ans de mémoire qu'ils n'ont pas gagné tout court contre Colo-Colo. Ouf. La dernière fois, c'est... Ouais. Je crois que la dernière fois, c'était encore Sampa. C'était combien de temps avant que River ne gagne à la Bombonera en 2013 ou 2014? Ça faisait combien de temps qu'on était invaincu à la maison? C'est une bonne question. Ça faisait un petit moment aussi. Ouais. Je me souviens plus exactement, mais ça faisait un sacré bout de temps aussi. Après, là, 20 ans, ça fait vraiment beaucoup. 21 ans, ouais. 21 ans qu'ils n'ont pas gagné au Monumental. Bah, au Monumental, donc à Colo-Colo. Ouais, c'est ça, mais après... Après même à l'échelle d'un Classico, ils n'en ont pas gagné un depuis plus de 10 ans, quand même. Ouais, violent, ça c'est ouf, ça. Même Huracán, je crois qu'ils ne sont pas à ce niveau-là. Ouais, tu vois, à l'échelle de l'affrontement, de manière générale, c'est chaud, quand même. Hein. Donc, voilà. Après, pourquoi pas marquer au bout du bout, à la 90+10? Ça, ce serait beau. Ah, ça serait énorme. Mais bon. Ça serait énorme. Question pour Vincent, quelles sont les chances pour Huracán face au Sporting Cristal? Bah écoute, à l'aller, ils ont eu les occasions. Faut voir, en vrai, j'ai été assez surpris moi du match précédent du Sporting à domicile, tu vois, contre National. Contre National, ouais, alors que tu sais, on en avait parlé en live ou en off, je me souviens plus. Je crois que c'était en off, mais très clairement, l'aller, ils perdent 2-0. Alors qu'ils ne devaient pas, c'est toujours une notion un peu particulière, ne devaient pas, enfin, c'était dur le 2-0, mais je ne les voyais pas non plus remonter 4-0, tu vois. Et là, au final, Huracán, normalement, ça devrait le faire, mais attention, tu joues à l'extérieur. Ouais, attention, hein, c'est une équipe intéressante quand même, Cristal. Ouais, 60-40 pour Huracán, je mettrais. Ouais. Sur le papier, si Huracán est sérieux, devrait passer. Mais ce serait pas non plus une surprise absolue qu'il passe pas, quoi. Surtout que tu es à 90 minutes, ensuite tu es au tir au but. Donc attention, ouais. Ouais, exactement. Exactement. Le jeu est un petit peu arrêté, là. Pendant ce temps-là, on arrive bientôt à la mi-temps. Ça discute entre Enzo Pérez et l'arbitre de la rencontre parce que Nico de la Cruz s'est un peu fait malmener. On va dire ça comme ça. Ouais. On va employer des euphémismes. Donc ça dit. Ça va, il est uruguayen, il va s'en sortir. Ouais. Entre Monsieur Trucco et Enzo Pérez, ça va repartir pour River. On arrive mine de rien bientôt à la mi-temps. On n'a pas eu grand-chose hein, à se mettre sous la dent. On a eu le but quand même de River, mais mine de rien, on n'a pour l'instant pas eu grand-chose à se mettre sous la dent dans ce match. Hein. Ça nous... En fait, j'ai l'impression d'avoir la même première mi-temps contre Arsenal, si ce n'est que Arsenal montrait un petit peu plus, quoi. Mais du côté de River. Bah, Arsenal était plus entreprenant. Attention à cette frappe et Armani qui la boxe. On laisse... Il me semble que c'est Lucas Arce hein, qui a frappé. On laisse le latéral droit de Godoy avancer tranquillement et envoyer une frappe des 20-25 mètres. Et c'est boxé par Armani. Mais le parallèle avec le match d'Arsenal, tu te dis que si Godoy... Je ne sais pas si on peut dire avait les moyens, mais au moins prenait confiance dans son jeu ou dans son match tout court, ça pourrait devenir très vite beaucoup plus problématique pour River. Ouais, totalement. On va voir Arsenal était un peu plus joueur quand même, 3 minutes de temps additionnel. Arsenal ouais, totalement, beaucoup plus. Là, Godoy, ils sont venus un peu résignés, mais regarde, tu vois, cette frappe, là, ça va peut-être leur donner confiance. Bah là, ils sont en train de s'installer tranquillement dans la surface de River, enfin dans le camp de River, dans les 30 derniers mètres. Longue touche d'Arce, justement, vers le point de pénalty, la déviation de la tête. Elle est encore récupérée dans la surface. Il a trop poussé. Il a trop poussé Hernan Lopez et ça va sortir. Les dotations sont importantes pour les clubs participants à la Libertadores. Oui, et puis c'est surtout qu'elles sont en dollars. Bon, même si l'Argentine y perd beaucoup quand même là-dessus, mais ça reste en dollars. Ouais, j'ai plus les chiffres en tête. J'ai plus les chiffres en tête. Faut pas comparer avec l'Europe, hein, parce que sinon ça pique. Mais les dotations sont très importantes. Et de toute façon, la CONMEBOL les publie assez vite, puisque chaque année, ils ont toujours leur communiqué de presse dans lequel ils s'auto-félicitent du fait que les primes versées au club sont en constante augmentation. Donc, on aura les chiffres assez rapidement. Mais ce n'est pas, pas des centaines de millions d'euros. Hein, ça, faut dire ça, les choses clairement comme en Europe. Ou des dizaines de millions d'euros. Oui, attention, parce que par exemple, Paradella, pour De La Cruz. De La Cruz en retrait. La frappe d'Aliendro qui a réussi à pas cadrer. Comment il a fait? Ouais, je sais pas. Elle était jolie, l'action. L'action était très belle. Dommage le contrôle de La Cruz qui, s'il le réussissait, celui-là. Ouais, parce que l'action est belle, sauf que le centre de Paradella est pas ouf quand même. Mais non. Après, surprenant, Aliendro. Mais derrière, Aliendro, j'attends le ralenti parce que... Qu'il a le temps. Il la met vraiment à côté. Bon. C'est grosse occasion de River, juste avant la pause, pourquoi pas. Histoire de calmer Godoy qui s'était montré ultra dangereux avec une frappe lointaine. J'essaie de survendre un peu le match, hein, je vais pas y arriver, les amis. On va pas se mentir, je vais pas y arriver. Ça va peut-être repartir en contre pour River. River qui joue en contre, c'est affreux. Bref, il faut le savoir, les supporters de River ont mangé du caviar pendant 8 ans. Maintenant, il va falloir revenir à la soupe populaire. Ça va faire bizarre. Mais j'ai l'impression que c'est le chemin que c'est en train de prendre, hein, cette histoire. Ouais. Bah après, tant que ça gagne, je pense que ouais, même si ça ira. Tu sais... On est en Argentine, sur la notion de résultat vs jeu. Le temps que ça gagne, c'est plus la philosophie de Boca, normalement. Hein. Ouais, mais je pense que du côté de River, ça va pas non plus être une catastrophe, tu le disais. Je pense que les jauges de patience sont assez remplies, donc ça devrait le faire. Ouais, elles ont augmenté. C'est la mi-temps, 1-0 pour River, ce but de Lucas Beltran. Je ne sais pas si on peut dire le seul rayon de soleil de cette première mi-temps pour les supporters du Milo. Ouais, allez, on va dire ça comme ça. C'est toujours, on n'a pas arrêté de le dire dans la première mi-temps, si poussif. C'est bien, on profite des belles images du Monumental en vue aérienne. Bien rempli. D'ailleurs, si vous avez les images, vous voyez qu'il y a encore un petit coin qui n'a pas été fini. Et ensuite, on aura vraiment des joueurs jusqu'au ras de la pelouse de partout. Ça doit être assez dingue, les places du bas dans le Monumental. Ouais, je pense que ouais. Les gars qui sont assis sur les places, je sais pas si, j'ai pas les tarifs, hein, j'ai pas regardé, je sais pas si on les connaît, si elles sont beaucoup plus chères, mais les places tout en bas là. Alors j'ai pas regardé. Ça doit être quelque chose. Hein. Putain, il est quand même bien rempli le Monumental pour un match. Après t'as vu. Ouais, non. Bah après là, je crois qu'il est vendu comme plein. Après, ça, c'est toujours un peu particulier. C'est que River nous annonce tout le temps que le stade est plein, mais en fait, il n'est pas vraiment plein. Bah là, on l'a vu sur le plan large. Très, très rempli. Ouais, non, là, il est... Mais il est extrêmement rempli pour un match face à Godoy. Hein. Ouais, c'est ça. Après, je pense que tu as l'effet nouveauté aussi. Tu as beaucoup de monde qui veut y aller. Oui. Et puis, ça reste... C'est un très beau stade, quoi. Donc, C'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'à ce niveau-là... Le problème de Godot, c'est qu'il y a quelques individualités devant, mais derrière, c'est vraiment la catastrophe. Ouais. Même si, franchement, pour l'instant, derrière, ils sont pas pibés, ils sont pas mis sous grande pression. Hein. Ils sont pas... River cherche pas à exposer leur fébrilité. Hein. Non, non, mais tu vois, par exemple, je suis d'accord avec lui, tu vois, par exemple, sur... on pourrait se dire que si River mettait un peu plus de pression, on a vu que la ligne, autant sur l'alignement ou défensivement aussi, par exemple les deux défenseurs sur le but de Beltrame, compliqué quoi. Mais River ne cherche pas à en profiter, cherche à profiter plutôt des contres, donc ce qui n'est pas non plus une mauvaise idée parce que regarde là sur le contre juste avant la pause, tu avais 5 ou 6 joueurs qui étaient de Godot qui étaient dans le camp adverse. Tu peux te dire que River a largement les joueurs pour, je pense notamment à Nacho Fernandez pour faire, ou De La Cruz pour faire des passes un peu entre les lignes. Et là, ouais, ça peut vite faire mal. Ouais. Mais ça reste quand même assez risqué, quoi, parce que surtout que c'est Godoy en face. River devrait pouvoir mettre la pression et gagner le match 2-3-0 sans trop forcer. Ah, c'est ça le truc, c'est-à-dire que tu... C'est aussi normalement l'avantage du calendrier qui s'est présenté à De Michelis pour démarrer son mandat à River, c'est qu'il n'affronte pas des brutes épaisses non plus, quoi. Il a un calendrier normalement plutôt tranquille pour démarrer. Et finalement, voilà quoi. C'est pas l'extase hein, pour l'instant dans ce qu'ils font. Et on attend encore que River se réveille. Après, les résultats sont là, donc tu peux travailler calmement. Il va pouvoir construire calmement donc, et ne pas travailler sous pression. Donc on va voir s'il arrive à mettre quelque chose. Je sais qu'il y avait des gens hein, qui, lorsqu'il a été annoncé, parce que bon, ça a été annoncé assez vite, on va dire, hein, de Michelis, il y a eu un gros lobbying à partir du moment où Gachardo a annoncé qu'il arrêtait. Il y a eu un énorme lobbying. On a très vite compris que ça serait très vite que ça serait Martin de Michelis, qui pour le coup arrivait avec juste une expérience avec la réserve du Bayern. Et c'était pas fou, donc il y avait cette petite pression là quand même hein, pour Martin de Michelis, donc voilà, mais pour l'instant il est tranquille. Salut à toi Arklun, ça joue comment? Merveilleux. Voilà, moi j'ai mis un blanc, tu vois. On s'éclate, franchement. T'as raté probablement la meilleure première mi-temps des soirées Sudam depuis qu'on les fait. Non. On va pas se mentir, non, ici c'est pas fou. C'est pas fou, 1-0 River à la mi-temps, mais voilà, c'est pas fou. On va faire un petit point justement sur les scores, puisqu'on est à la pause. Ouais. Tu les as sous les yeux, les scores en Argentine? Ouais, bah attends, là j'ai surtout un des scores qui n'est pas en Argentine, mais qui est intéressant. Volta Redondo vient de battre Fluminense en demi-finale du Carioca. Bon, il reste un match retour, il y a 2-1. Ouais, sinon, ça avait été dit dans le chat un petit peu plus tôt. Je sais plus qui l'a vu, j'ai zappé son message, mais effectivement, ça a été dit dans le chat. Et pardon à celui qui l'a écrit dans le chat tout à l'heure et je l'ai zappé. Donc voilà. Et on va saluer Ibra qui arrive dans le chat à la mi-temps. À la mi-temps, qui doit être en extase, Ibra, devant la performance exceptionnelle du River de Michelis. Il y a des chances. Ça va, j'ai pas survendu. Sinon, à La Plata, il y a toujours un 0 entre Estudiantes et Huracan. But de Bozelli. Et sinon, Racing a gagné tout à l'heure 1-0 à domicile difficilement contre Sarmiento, avec le retour de Licha au Cilindro. Et le Cilindro qui, de manière exceptionnelle, a autorisé les fans à rentrer avec des bouteilles d'eau, puisque la programmation à 17h sous 40 degrés est évidemment une excellente idée de la télévision. Et la bise aussi aux dirigeants de Racing qui s'y ont pris le jour d'avant pour demander le déplacement du match. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, c'est des journalistes pro-Racing, je précise. Mais pour le coup, ouais, c'est assez compliqué en ce moment. Même s'ils ont prolongé Vecchio, là, ça c'est la bonne nouvelle, c'est que Vecchio prolonge Racing, c'est bon petit joueur, moi j'aime bien. Et Ibra nous dit que les bouteilles d'eau... Ouais, bon petit joueur qui commence à quand même avoir un peu d'âge. Hein. Oui. Bon. Ça va être vite limité. Et je vais te la faire pareil que ce qu'on disait avec River tout à l'heure. Où quand la Libertadores va démarrer avec des adversaires un peu plus sérieux, on va vite voir les limites de Vecchio. Hein. Mais bon. J'aime beaucoup ce joueur, hein, mais bon, on est sur de la fin de carrière, quoi. Ouais, en fait, c'est ça. Puis après, c'est un peu un joueur aussi d'à-coup. Bah Il oui. va te faire une bonne série, puis ensuite tu vas plus trop le voir. Et Vecchio va être très très bon dans une Donc, équipe qui joue très bien. ah, Pierre. Ouais. Junior Alors, Envigado. Ah bah oui, ouais, d'accord. ça va aller. Non, on rigole, on rigole. Donc Ibra nous a dit que les bouteilles d'eau c'était pareil à River et que San Lorenzo n'avait pas eu le droit hier. On va faire justement le point Après, sur. Ouais, vas-y. j'allais dire, tu vois, River joue déjà un peu plus tard. Bah ouais. Racing, ça a commencé à. Tu vois, là. Bah après, faut pas oublier qu'en Argentine, tu vois, moi là, je suis au Brésil, donc il fait déjà nuit depuis 18h30. Mais en Argentine, il fait encore jour jusqu'à assez tard. Hein. Attends, Atardecer Buenos Aires. Il me semble que c'est 19h et quelques. Non, 19h15. À partir de 19h15, il fait. Le soleil se couche. Donc, tu vois, c'est pas horrible. C'est pas si horrible que ça, parce que le match a commencé à 19h15 justement. Le Cilindro, bon, c'est pas pire, hein. Je pense notamment à Che Carlitos qui l'autre jour a été voir un match de Gimnasia contre Colonne, 0-0 tout pourri, à 16h au Bosquet. Alors le Bosquet, il n'y a pas un centimètre d'ombre. C'est ça. Et à 16h, il a dû cuire. Je sais pas comment il a fait. Ouais, mais il est résistant. On l'a croisé, d'ailleurs, on le salue si jamais il passe dans le coin. Il est résistant, le bonhomme, ça va. Ouais. Puis j'imagine qu'il n'avait pas bu que de l'eau. Qui a dit ça? Qui a dit ça? La fraude de Che Carlitos. Ah, quand même. Non, non. Donc voilà. Sinon, Ibra est satisfait de la première mi-temps de River. Eh ben, écoute, je vois que tu aimes le caviar pas cher. Donc les œufs de l'Olympe, concrètement. Donc voilà, bref, les scores en Argentine jusqu'ici, Barracas Independiente un but partout, je crois qu'on l'a déjà dit, Argentinos Arsenal un but partout, Instituto Atlético Tucumán un but partout, bah tiens je vais faire l'autre un but partout aussi, c'est Defensa y Justicia Tacheres, Vincent vous l'a dit en ouverture, hein, ce week-end c'est pas totalement dingue hein, ce qui se passe en Argentine sur les terrains. San Lorenzo ouais, ouais. a gagné 4-0 face à Gimnasia, on en a parlé. Et Central Cordoba a battu Tigre 2-0 avec le Néo International italien hein, à venir. Bon, voilà. Qui n'a pas été bon et qui a pris un carton jaune et qui me fait perdre des points sur Grande Été. Alors, faut qu'il arrête tout de suite là. Ça fait deux matchs qu'il marque plus et qu'il prend des jaunes. Ça va pas du tout. Mais bon. Pour ceux, je vous invite, c'est une sorte de Mon Petit Gazon version argentine. C'est pas si vous suivez le championnat argentin, c'est marrant à faire. Mais bon, je te laisse continuer les scores. Ouais. Bah, Belgrano-Lanús 0-0. Ah, c'est Racing qui a. Bah oui, c'est ça. Belgrano-Lanús 0-0 et le dernier, tu l'as dit tout à l'heure, c'est Racing qui a battu Sarmiento. Que dire de plus sur les scores? On peut vous parler de... est-ce que c'est fini le match au Chili? C'est terminé, 0-0 oui. entre Colo-Colo et la U. Annoncé par Nico en avant-match, en off. Il m'avait dit ça va faire 0-0 alors qu'on était à la 60e. Tu vois comme quoi, quand tu annonces les scores en privé, il n'y a pas d'effet LO, c'est confirmé. Toujours. En général, toujours bien. Alors, petite anecdote. Le Brest-PSG d'hier, avant le match, je dis à mon fils, Paris va gagner 2-1, Mbappé marquera la 89e. Voilà. Si je parie ça, je suis bien. Mais je sais très bien que si je parie ça, ça ne se passe pas comme ça. Donc voilà. Mais bon, bref. J'étais assez. J'ai pu faire le malin pendant 5 minutes. Donc voilà, c'était cool. C'est important de pouvoir faire le malin pendant 5 minutes. Qu'est-ce que je peux vous donner comme autre score? On était au Chili. Il y avait un joli match cet après-midi entre la Católica et Unión Española. J'avoue avoir regardé ça. 2 buts partout avec Unión Española qui menait 2-0. Et puis qui a fini à 10 concrètement, et la Católica qui s'est fait très très peur, la Católica qui cette semaine a plus ou moins déjà raté sa saison. Donc puisqu'ils se sont fait taper par Audax en Sudamericana, donc la saison est d'ailleurs ouais. Non, j'allais dire Pierre nous parlait de Junior aussi, se sont fait taper par Tolima en qualif de Sudamericana. Ouais, exactement. Il y a eu, je vais les aborder. Improbable J'ai quand ouvert même. la page, j'ai ouvert la page des résultats de la Sudamericana parce que ça peut être intéressant d'en parler. Euh, Oui, non, mais c'est ça, Arclune, hein. J'étais pas, je m'étais pas trop mis en danger. Ça se sentait venir à 10 km que le Paris, ça allait finir comme ça. À plus, Ibra. Bonne deuxième mi-temps. Bonne régalade. Euh, Ça va mieux, hein, Nostromo, pour l'Union Espagnola, hein. Franchement, moi, je le regarde quasiment tous leurs matchs et voilà. Je suis pas toujours pas fan de Ronald Fuentes, leur coach, mais déjà dans le jeu face à la OU, c'était pas mal, même si voilà, ça s'était pas matérialisé dans le résultat. Il y a eu un match horrible contre Magallanes. Attends, on est au Chili, donc il faut dire Magallanes. Mais ah bah oui, quand même, il faut s'adapter au pays. Et voilà, Raph, super le site de ton fils. En plus, il a un super prénom. Ouais, je sais. Merci pour lui. Ça lui fera plaisir. Je lui transmettrai. Voilà, vous pouvez aller le voir, son site. Il a 15 ans, hein, donc soyez bienveillants. Mais c'est plutôt pas mal ce qu'il fait, hein. D'ailleurs, si vous aviez lu le guide MLS, il a participé à la rédaction du guide MLS de Lucarno Posé. Voilà, bref. Mais allez voir son site. Allez voir son site. Ça s'appelle Le Foot de Raph. Je peux vous mettre le lien si vous voulez. Tiens, je peux faire de la pub. Ah ouais, je vais faire de la pub. Je vais faire le streamer de base. On peut faire ça, non, Vince? On est d'accord, hein? Bien sûr, Vincent. Abonnez-vous. Ouais, c'est ça. Mettez la cloche. Ah non, ça, c'est sur YouTube. Ouais, mais la cloche et les pouces. Voilà, je vous ai mis son site. Voilà. Allez le voir et donnez-lui de la force. Vous pouvez même le suivre sur Twitter. Il s'est créé un compte Twitter où il a gagné des trucs. Il a annoncé des trucs incroyables. Bref, il avait annoncé le but de Pinheiro la semaine dernière pour... voilà, un très beau prénom, je confirme. Ouais, alors, si vous voulez l'anecdote, choix de sa mère, hein, le prénom. Voilà. Donc, voilà. Bref, on peut revenir sur, justement sur la Sudamericana, puisqu'on en a parlé, avec des résultats, bah ouais, assez intéressants, parce que certaines équipes, et je le disais pour la Católica, jouent beaucoup, une grande partie de leur saison pratiquement, puisque c'est oui, c'est leur saison. Une équipe comme la Católica qui n'est pas en Libertadores se devait d'être en phase de groupe de la Sudamericana. Bah non, perdu. Ils ont pris 3-2 contre Audax Italiano. Alors, on va rappeler comment ça marche, hein, quand même, pour ceux qui ne le savent pas. Il y a 6 Argentins qui sont qualifiés, il y a 6 Brésiliens qui sont qualifiés. C'est ça, hein, c'est 6. Hein. Tiens, bah, il est là, chez Carlitos. Ah, il faisait chaud au Cilindro aujourd'hui aussi. Tu nous confirmeras que tu étais à Jeun, au Bosquet. Et bien, bienvenue dans le chat. Pour revenir à la Sudamericana, il y a... Est-ce qu'il a deviné les raclées prises par Austin et Atlas? Non, il ne les a pas devinées, Biscuit Prince de lui. Pour la Sudamericana, on va y revenir. Donc, je disais, il y a 6 Argentins, il y a 6 Brésiliens qui sont déjà en phase de groupe. Les autres ont 4 qualifiés, mais eux sont obligés de se faire un premier tour où ils se jouent par pays, en fait, comme autrefois. C'est-à-dire que il y a 2 matchs chiliens, 2 matchs paraguayens, 2 matchs équatoriens, 2 matchs vénézuéliens, 2 matchs boliviens, et 2 matchs uruguayens et 2 matchs péruviens. Je crois que j'ai oublié personne. J'ai dit les Colombiens? Peut-être pas. Donc voilà. Enfin, tous les autres pays, ils ont 2 matchs chacun. Donc la Católica a raté sa saison en perdant face à la Audax. Peñarol, lui, pour le coup, a bien réussi son coup puisqu'ils en ont mis 4 à River Plate en étant en Équateur. La LDU aussi, puisqu'elle en a mis 4 à Delphine, alors que le début était un peu plus compliqué au niveau du championnat en Équateur pour la LDU. Dans les résultats, je suis en train de regarder rapidement. Tu l'as évoqué, hein, il y avait Junior qui a perdu contre Tolima. Et sinon, de manière générale, ceux qui sont un petit peu favoris, ou ah si, il y a quand même Táchira qui s'est fait sortir par Estudiantes de Mérida. Donc, c'est peut-être un échec pour eux. Santa Fe est passé, Pierre. Donc, au final, ceux qui jouaient beaucoup sur cette... Enfin, qui jouent une grande partie de leur saison sur cette Sudamericana sont passés. Donc, voilà, à part donc la Católica. Et pendant ce temps-là, les joueurs sont en train de revenir sur le terrain. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc voilà, pas de grande surprise. Tu avais noté des choses particulières sur la Sudamericana, Vince? Ah, j'ai perdu Vince encore. Et oui, j'ai perdu Vince. Et ben voilà, on le retrouvera après. Il reviendra. Dommage parce que la cote ouais, de Violette, ah ouais, clairement. Alors, je suis plus avec eux, hein. Je suis plus avec Biscuit Prince de lui, mais oui, je pense que beaucoup de... Je sais pas si on pouvait parier sur la Conca Champions cette semaine. C'est une bonne question, ça, tiens. Je suis de retour. Eh ben, Vince est de retour. En même temps que le match va reprendre, tu vois. Donc, comme ça, c'est parfait. Le match, il est parti. Je vous relance le chrono. Donc voilà. Et ouais, pour la Conca Champions, Austin et, qui a... Enfin, je sais pas si vous l'avez vu, je vous invite à le voir. Facile à trouver sur les réseaux sociaux. Je pense même qu'il a été partagé par la CONCACAF. Maté le contre son camp, le but contre son camp d'Austin contre Violette, club haïtien. Ça se joue en République Dominicaine, le match. Le but du 3-0, magnifique. Avec un karma incroyable pour Austin, puisque, alors si vous ne le savez pas, c'est reparti, hein, vous voyez hein, le chrono, j'ai tout relancé, on a Beltrán qui est parti tout seul, et attention parce que le ballon, voilà, on va pouvoir se dégager du côté de Diego Rodriguez pour l'envoyer en touche. Assez incroyable parce que donc le logo d'Austin c'est un arbre. D'ailleurs d'où le surnom du club, un jeu de mots avec le Mexique, puisque le surnom du club c'est El Tri. Et ils ont pris en photo, parce que le terrain sur lequel ils étaient était particulier, il y avait un énorme arbre derrière le but, qui évidemment faisait un petit peu penser au logo d'Austin. Donc au début du match, ils ont posté une photo en disant on est là ou machin comme ça. Et donc c'est dans ce but qu'il y a ce CSC, comme le dit Biscuit Prince de Lu, absolument lunaire. C'est incompréhensible ce qui se passe. Incompréhensible, mais bon, voilà, après on va voir. C'est une très belle perf hein, ce qu'a fait Violette, 3-0 face à Austin. L'Atlas en a pris 4 contre Olympia. On verra au retour hein, parce que ça peut être plus compliqué au retour, surtout pour les Haïtiens, puisque c'est la grande chose habituelle qui plombe certains pays dans la zone, surtout quand on pense à Haïti ou quand on pense à Cuba, c'est les visas, et il n'est pas sûr que les Haïtiens puissent amener tous leurs joueurs hein. Donc voilà, affaire à suivre. Voilà pour la parenthèse nord-américaine. En même temps, on n'avait pas de soirée nord-américaine hier, donc autant en parler un petit peu ce soir. Mais vraiment, allez voir le but si vous l'avez pas vu. Hein. Austin, Violette FC Austin, le 3e but. Et effectivement, Orclune, c'est un très bon rappel. Les matchs sont disponibles gratuitement sur YouTube, le YouTube de la CONCACAF. Donc ça fait encore des matchs gratuits. Et là, pour le coup, c'est la Ligue des Champions. Hein. Donc, donc voilà, les matchs sont gratuits. J'espère qu'au Brésil aussi. Mais bon, sinon... je n'ai pas la sensation que ça soit géobloqué. Ok. Ah, c'est bien ça, du coup. Bon, après, en même temps, tu peux voyager. Hein. Oui. Après, c'est quand même assez limité. Moi, je peux voyager que... comment ça s'appelle, Netherlands. Et ouais, mais voilà, si tu arrives aux Pays-Bas, à mon avis, tu les as. Ouais, il y a des chances, c'est vrai. Amsterdam, ça. Mais je pense pas que ça soit géolocalisé. Je sais pas s'il y a moyen de le savoir. Bah si, il faudrait que je me place à New York, par exemple. Je ferai le test. Bonne question, je sais pas du tout. Si quelqu'un sait, hein, dans le chat, n'hésitez pas. Mais voilà, moi je sais que j'ai maté les matchs de Conca Champions. Bah à la limite, tu peux faire un test rapide une fois que le match est fini, Vince, puisqu'ils sont disponibles en ligne. Ouais, je teste. Ouais, tac. Arklin qui nous dit le 6h de Blooming. Alors le pire, c'est que le... Blooming n'a pas été si bon dans ce match-là. Si tu check un résumé et tout, ils ont vraiment mis 6 buts. Mais tu as la sensation que c'est le genre de match où tu te dis pas, ça va terminer en 6-0. Mais bon, au final... Et d'ailleurs, j'avais prévu d'aller... Enfin, j'ai prévu d'aller en Bolivie et je vais m'y retrouver quand ça va être la trêve. Moi qui voulais faire des matchs... ouais, non. Ouais, peut-être qu'à La Passe, un peu plus tard, j'arriverai à faire quelque chose. Mais ouais, bien triste. Et Pierre qui demande, ils peuvent poser combien Boca pour un central? Boca a plus besoin de centraux, parce qu'en soi, là, on est bien. On est bien, on a Rojo qui va revenir. Donc, il n'y a pas... Valdez, Rojo, ça va. Ouais, c'est ça. Puis t'as Roncaglia. Le magnifique. Le grand Roncaglia, qui fait parfois des bons matchs. Parfois. Mais non, ça devrait le faire. À moins que tu vois, ce soit pour un central prometteur ou quelque chose comme ça. Par exemple, la bise à Pibe Volante, on voulait Barreto. On voulait celui d'Huracan aussi. D'ailleurs, je ne sais pas comment est sa situation, celui d'Huracan. J'ai oublié son prénom d'ailleurs. Mais je vais vous chercher ça après. Boca va pas faire de folie, encore moins pour un central. Là. Il y a d'autres priorités, je pense. Mmh. On va suivre. Il y a un bon coup franc à venir pour River. Il y a un bon coup franc à venir qui a été encore obtenu sur une percée individuelle, hein, pas par un joli mouvement collectif. Le coup franc direct dans le mur, le coup franc de Nacho. Donc comme ça, on est tranquille. Comme ça, on est tranquille. Bon, offre pour Barreto tient toujours, hein, d'ailleurs, te dit Pibe Volante. Ouais, il m'avait proposé gratuitement. J'avais dit, moi, je vais attendre qu'Independiente descende en Ligue 2. Comme ça, on le rachète 250 pesos avec quelques bonus, genre une empanada et un coca. Une empanada ça, que tu prends au Racing ou Ah, bah, si c'est des empanadas de Racing, avec plaisir. Eh ouais. Celle de River, très bonne aussi, hein, soit dit en passant. Che Carlito qui me demande c'est qui celui de Rakan. Attends, je te retrouve son prénom. Il avait été mis au placard, je ne sais pas s'il est revenu d'ailleurs. Attends. Qu'est-ce que j'allais te dire aussi? Merocha, celui de Rakan. C'est de lui dont je parle. Boca avait fait une offre, il est en fin de contrat en juin, sauf qu'il ne voulait pas s'en aller gratos et le président de Rakan demandait 3 millions. Et en gros, il avait dit, le président a vraiment dit ça, le président de Rakan. Ah non, mais je vois pas pourquoi, s'il termine son contrat dans 6 mois, je vois pas pourquoi ça ferait baisser sa valeur. Mais écoute, mon garçon, tu es président d'un club de foot, tu devrais savoir quand tu achètes le prix, c'est pour racheter le contrat et que s'il reste que 6 mois et qu'il peut partir gratuitement après, évidemment que ton joueur vaut moins cher. Mais bon, c'est toujours dur pour les clubs de vendre à Boca. Parce que les supporters le pardonnent généralement pas. C'est clair. Mais donc, du coup, il devrait peut-être partir en Europe parce que lui, il veut laisser de l'argent. Le pire, c'est que lui, il veut pas signer un pré-contrat avec Boca parce qu'il veut laisser de l'argent à son club formateur. Mais on a eu le même problème, du coup, avec Barreto à Independiente, sauf qu'ils se sont mis d'accord et au final, il a quand même prolongé. Mais c'est un vrai thème en ce moment, les prolongations de contrat, parce qu'en Argentine, tu n'as pas ce truc de pré-contrat. Ouh, le petit coup de génie, je te coupe 2 secondes, parce que là, pour le coup, j'ai déjà été souvent méchant avec lui, mais alors le coup de génie de Paradela sur cette action, lancé par De La Cruz, il nous a tenté un petit lob. Ouais, elle est belle. Elle est magnifique, elle finit sur la barre. Et derrière, elle atterrit un peu dans les pieds de Beltrán et du défenseur qui est avec lui. Mais wow! Là, franchement, il nous la met. Ça aurait été absolument parfait. Un des buts de la fête. Clairement, avec un très joli mouvement pour le coup. Et pour une fois, il y a eu de la vitesse, il y a eu de la verticalité. Et il y a eu la passe. Voilà, il y a eu une passe dans un intervalle, dans un espace libre, en jouant vite. Assez rare, hein. Avec toutes les critiques que l'on fait de ce River depuis plusieurs matchs maintenant. Là, pour le coup, on avait un vrai joli mouvement au collectif et offensif. C'était encore une transition, mais c'était très propre. Et ce n'était pas une percée individuelle, pour le coup, donc on ne va pas s'en plaindre. Et ça a donné une bonne occasion. Ça pousse un peu quand même, hein, côté River, sur ce début de deuxième. Oui. Attention au rebond, bonhomme. Bah oui, voilà. Je pense que les fantômes d'Arsenal ont dû être rappelés à la mi-temps par De Michelis, et donc il leur a demandé de mettre un peu plus la pression. Celui-là, ça va un petit peu mieux quand même. Mais on va voir sur la durée. Et hâte de voir, du coup, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu fais rentrer Borja? Tu fais rentrer... Il y a un moment où il va falloir les renvoyer. Il va falloir les renvoyer pour qu'ils prennent en confiance. Ouais, mais tu peux pas sortir Beltrán, tu vois. Si tu changes de système. Il a mis son but. Oh, bien joué le retrait de la Cruz. Oh, de la Cruz qui dévisse sa frappe. Attention à pas se manger un contre des familles. Ça devrait aller. Ou pas. Ah, je viens d'avoir la frappe déviée. C'est même pas une frappe. Hein. Il a juste raté le ballon. Il y a un petit peu plus d'intensité quand même, hein, côté River dans ce début de deuxième mi-temps. Là, il y a du pressing. Là, pour le coup, on essaye d'étouffer un petit peu l'adversaire. Je vais remonter. Il y a dû avoir une soufflante à la mi-temps. Ouais, c'est possible. Hein, c'est possible. Independiente, en ce moment, t'arrives avec une bouteille de Fernet, un sac à glaçons et on te file les clés du club, je pense, nous dit Che Carlitos. T'es pas supporter de Racing, toi? Moi, franchement, non, remarque, avec à gérer la barra d'Independiente, non. Mais bref. Sinon, je prends. Hein. Et puis, il y a 20 millions et quelques de dettes, là, c'est sorti il n'y a pas longtemps. Et je crois qu'ils ont 21 millions et on parle de dollars, hein, pas de pesos. Et puis Bévolum qui rajoute le sac à glaçons sur lequel Moyano a 20% d'intérêt. T'es gentil sur les 20%. Je pense qu'il a un peu plus. Il a même un peu plus. Hein. Donc voilà. Biscuit Prince de Lieu qui nous dit: j'ai vu la série sur Feyenoord qui a été tournée la saison où Lucas Prato était en prêt. C'était intéressant, le mec n'a pas eu de bol. Ben non, parce qu'il s'est pété très vite en fait. Hein, Prato, il n'a pas eu l'occasion de véritablement jouer. Je crois qu'il se pète à son premier ou deuxième apparition, un truc comme ça. Malheureusement pour lui. Voilà, Racing, je crois que c'était terrible pour Mathias Rojas. Libre en juin, à mon avis, c'est direction Europe pour les ou les US, nous dit Che Carlitos. Ouais, c'est possible, ouais, c'est fort possible. Et pour te répondre, Raph, normalement, oui, demain, il y a un 9-10. Donc voilà, demain, il y a un 9-10 et il y aura une bonne page asiatique, d'ailleurs, demain dans le 9-10. On va aller en Australie, notamment. Voilà, entre autres. Et qu'est-ce que j'allais dire de... Le 9-10 spécial Pelé, on en parle. Ça ne sera pas un 9-10. On en parle en 9 plutôt. Ah, très bien. Petit exclu pour ceux qui nous suivent à je ne sais pas quelle heure il est en France. Moi, j'ai le cheat code. Minuit 30. Ça va, il est encore tôt. Mais, ça va. Ouais. Non, ça va, il est encore tôt. Non, ça ne sera pas. Déjà, ça ne sera pas un 9-10. On ne parlera pas des Marinos, Nostromo. Ah oui, c'est vrai, tu es supporter des Marinos. Est-ce que tu peux me dire pourquoi Matsubara n'a pas joué ce week-end? Si tu arrives à me dire ça. Parce que j'ai un peu insulté des mamans sur le fait qu'ils jouent pas, pour d'autres raisons, hein, mais voilà. Exactement, à cause de Sorare. Et pour ne rien cacher, ça va me coûter, ça me coûte un palier à 50 balles, cette connerie. Donc voilà. J'ai pas compris pourquoi Matsubara n'a pas joué. Voilà, je le dis clairement. Ça m'énerve. Et voilà. Et s'il avait joué, je pense que j'aurais mon palier à 50 balles ce week-end. Donc je suis un peu énervé à cause de ça. Bref, voilà. Donc si tu arrives à me le dire, et non, on parlera pas des Marinos. Uniquement à cause de ça. Je crois que je sais pourquoi il n'a pas joué. À mon avis, il était en boîte de nuit avec Vishta. Il y a des vidéos qui sont sorties. Peut-être qu'il était avec lui et que les Marinos sont un club sérieux. Ouais, peut-être qu'ils ne le font pas jouer. Alors, Ken Matsubara en boîte de nuit avec Vishta, j'y crois pas une seconde, mec. Non, mais c'est incompréhensible. Enfin, il était même pas. Enfin là, il était pas là, quoi. Donc, alors que il est en concurrence à son poste de latéral avec, j'ai mangé son nom, Koike. Koike est blessé, donc normalement c'est lui le numéro 1. Ah bah voilà, tu vois, Nostromo non plus n'a pas compris. Après c'est très poussif, hein, les Marinos, hein, depuis le début de saison, hein, si pour parler un peu de J-League, parce qu'on regarde ça à la maison, hein. Il y en a un ce matin par exemple, hein. Je vous donne une exclue, hein, dans son prochain article, ça va parler de J-League, voilà. Puisqu'il a regardé le Saint-Frécé Hiroshima ce matin, à 8h du mat. Il s'est levé à 8h du mat pour mater de la J-League sur YouTube. Voilà. Il est bien, ce petit. Hein, ouais. donc voilà. Si minuit 30, c'est pas tard, est-ce qu'on reste pour le match de Boca? Oh. Pas le droit de dire un truc pareil. Parce qu'en plus, Vincent, il va insulter les maires sur le match de Boca. Banfield n'arrête pas de perdre sur un match nul. Tu veux nous faire rester sur un 0-0? Waouh, t'es rude. T'es très très rude. Je suis pas sûr qu'on reste, mais voilà, pour dire les choses. Voilà, mais bon, non, on parlera pas de Japon demain, on parlera d'Australie pour tout dire dans le 9-10. Il se passe des choses en Australie, donc il y a une partie d'un dossier sur l'Australie. Et on aura normalement aussi Baptiste pour parler de 2-3 trucs sud-coréens aussi, entre autres, demain. Et puis, il y aura un peu de news. Et voilà. Enchaîner 2 matchs de football, entre guillemets, c'est exactement ça, Arklund. Oh, ça c'est bien joué, la déviation. Et De La Cruz, il va filer droit au but. Il peut finir, il peut conclure. Et il ne conclut pas. Attention, c'est pas fini. Penalty pour River. Penalty pour River. Qui est venu se jeter pour aller chercher le péno? Il me semble que c'est Aliendro, mais je suis pas sûr à 100%. J'attends le plan où on va voir le joueur se relever, parce que pour l'instant, on a juste une crêpe. Ça va être pour Beltrán, le penalty. La déviation en une touche, là. Il me semble que c'est Aliendro, hein, parce que la remise derrière, c'était déjà lui, je crois. Elle est belle. Elle est très, très belle. Ça fait petit pont, quoi. J'attends un ralenti plus proche, concrètement, pour voir les choses. Aliendro est passé un peu meneur de jeu, hein, plus axial. Hein. Ouais, c'est lui, hein, c'est Aliendro qui obtient le penalty. Ouais. Il n'y a rien à dire, il y a péno. Ah bah, il y a 10 fois péno. Ouais. 10 fois péno. Très très belle position, hein, de M. Trucco pour accorder ce penalty. On n'en fait surtout pas des caisses en Argentine quand on accorde un penalty. Alors, on serait à Barracas, on aurait 3 minutes de VAR, mais on est au Monumental, donc normalement, ça devrait aller. Pénalty scandaleux sifflé pour contre Tacheres. Franchement, c'est assez chaud. Les pauvres, je crois que le compte Tacheres France se plaignait un petit peu et a raison. C'est compliqué l'arbitrage en Argentine en ce moment. Ah ouais. Ça dépend des clubs, mais voilà. Ouais, c'est le VAR. Bon, Ce soir, ça va. Pour l'instant, on n'a pas de... Non, pour l'instant, ça va. Après, les situations sont pour l'instant, les situations sont très, très claires aussi, hein, pour dire les choses. Oui. Donc là, le pénalty ne souffre d'aucune contestation. Il n'y a eu aucune contestation des joueurs de Godoy, hein, d'ailleurs. Là, tu peux pas. Hein. Là, tu peux rien dire. Ouais, non, c'est clair. Comment ça contester ça Ah ouais, c'est clair. Mais bon, on ne sait jamais. Et attention, parce que Beltran, ça fait 2-0 pour River, doublé de Lucas Beltran. On parlait de pression sur Rondon et Borja. Et ben voilà. Des petits fumigènes derrière les... Des petits fumigènes juste derrière. Alors, Pibé Volin nous dit « Honteux le pénalty accordé à Defensa, sous aucun angle, il y a pénalty pour moi. » Mais bon, Rapachini, oui, bah oui. Alors que Che Carlitos nous dit « Il y a un ralenti qui existe sur le péno obtenu par Defensa, ou le péno, ou perso, je le siffle aussi. » Ah, bah je regarderai, parce que j'avoue, j'ai pas regardé. J'ai pas vu l'image de Defensa et le match de Defensa, j'ai pas vu. Donc voilà, il est pas... Red de rouge, on va te bannir. Il avait oublié. Ah oui, attends. Goal de... Ça, c'est à cause de Red le rouge. Merci Red le rouge. Genre 10 minutes. Oh là là, merci. Mince, mais tu vois, mais je suis un peu malade, hein. Donc ça s'entend dans la voix. D'ailleurs, là, ça fait mal un peu la gorge, mais... Bah, j'essayais habilement de changer la discussion, tu vois. Ah là là. Puis, les fumigènes derrière les buts. Mais oui, c'est vrai. Putain. Bon, on va attendre le 3. Eh, promis, le 3e, je vous le fais en live. Le 3e, vraiment au bon moment. Tu vois, tard, ça compte plus. Pardon? Là, c'est trop tard. Tu peux plus le mettre maintenant. Bah, là, je l'ai mis, mais bon, un peu tard. Attention, parce qu'il y a Godoy qui a une belle occasion. Armani qui la sort. Mais promis, le 3e but de River, vous aurez le goal de River. Ah ouais, non, mais il faut le mettre en réveil. Hein. C'est clair, Nostromo, on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Un jour, je piraterai le téléphone de Vincent et je lui mettrai en annonce de message. Bon courage. Comme il a des notifs tout le temps sur son téléphone. Aïe. Le corner pour Godoy Cruz et la balle qui part au-dessus. On a allumé des fumis devant et derrière. Je regarderai Che Carlito, je regarderai sur le replay sur Fanatiz. J'imagine que ce ralenti est passé pendant le match aussi pour défendre ça. Je regarderai. Tiens, regarde. Prépare-toi, Vince. Ah mince, la passe est mal assurée. Mm. Beltran a marqué plus de buts en un match que Borja et Rondon réunis. C'est possible. Oui. Fort probable puisque Rondon n'a pas marqué. Donc, oui, Vincent à Twitter avec un super compte. Tu veux bien nous donner le compte pour passer le goal de River? Alors, alors, il y a le compte Boca JRSFR, et sinon j'ai un compte perso, mais j'essaie de tweeter un peu plus en espagnol, même si je réponds en français à ceux qui parlent français. C'est Vicente Del P. Donc voilà. C'est plutôt en espagnol là-bas. Je vais vous mettre les liens, les amis, comme ça, ça ira plus vite. Après, t'attends pas à voir goal de River sur Boca Junior France. Alors, voilà celui où vous pouvez spammer les goals de River. Sa commu va kiffer. Et l'autre... ah oui, c'est vrai que tu l'as mis en espagnol. Le voici. Ouais, ça m'entraîne un petit peu à faire du contenu. Voilà, c'est les deux comptes de Vincent. L'un pour vraiment pour le coup les fans de Boca. C'est l'actu de Boca et les insultes envers Ibarra et le consejo à chaque mauvaise performance de Boca. Par exemple, tout à l'heure face à Banfield, j'ai déclenché un effet halo, vous allez gagner 3-0. Tu peux me dire merci tout de suite. Bah, j'espère. Moi, je le sens pas trop ce match. Hein. Ça sent le match au piège. Ah, ça, c'est la façon que tu as de dire ça sent le match pourri, c'est ça? Ouais, aussi. Aussi, non, Banfield là-bas, je sais pas. Hein. Non, je suis pas fan, moi, perso. Surtout que, comme je te dis, Banfield, là, ils font que perdre ou faire des matchs nuls. Ça, c'est le genre d'équipe qui va jouer sa vie contre Boca. Oui, c'est pas faux. Deux changements du côté, un changement de chaque côté. Côté River, l'entrée de Barco à la place de... Putain, il y a eu des changements qui ont été faits à la mi-temps et tout sur Godoy. Je suis pas du tout à jour sur les changements. Je vais vous les faire tout de suite parce que c'est un peu n'importe quoi. C'est plus de et ça, égalisation d'Huracan, Juan Garro qui met le but. Alors attends, je suis pas sûr du... Je suis pas sûr du but parce que SofaScore me dit but de Juan Garro, assistencia de Juan Garro. Le mec s'auto-assiste. Je sais pas trop comment c'est possible, mais en tout cas, ça fait un 1-1. Ouais, c'est plus trop drôle. Donc, ouais, on va voir. Et Guido Carrillo et Zuki qui sont rentrés du côté des Estudiantes, qui a enfin changé d'entraîneur avec Eduardo Dominguez, qui a été champion avec Colón, on le rappelle, et ex-Independiente. Est-ce qu'on a envie de dire Estudiantes qui a enfin trouvé un vrai entraîneur? Je pense qu'on peut le dire. J'espère, parce que franchement, ce qu'il faisait avant, c'est une catastrophe les premiers matchs des Estudiantes, c'est vraiment... Abel Balbo en même temps, voilà, on va pas être méchant, mais non, si, on peut être, quoi. Je sais pas ce qu'il faisait en fait, je comprends pas. Et le coup de mettre Andújar sur le banc pour le dernier match, ça c'était quand même un sacré sketch aussi. Le problème c'est qu'il avait pas d'idée, donc son équipe jouait sans idée, n'avait pas de résultat, et en plus sa seule solution, qui est la pire de toutes, hein, quand tu es un coach qui commence à se rater, la pire de toutes, ça a été de virer un cadre. Et là, tu dis... Ça. Alors, bonhomme, comment dire? Tu sais que tu prends beaucoup de risques, là, quand même. Mais, voilà. Il s'est mis tout le monde à dos. Bah, forcément. Ou non, et puis, il a perdu son vestiaire, je pense. Oh oui, totalement. Non, ça, c'est sûr. Même avec la gestion de Boselli et tout. Ouais. Nostromo qui nous demande si BKCC est toujours à défendre. Non, pas du tout. BK, il est libre. Je crois qu'il voulait aller en Équateur, si je ne me trompe pas. Il voulait prendre la sélection. Hein. Il voulait pas... Ouais, il me semble. Mais il l'aura pas. Il me semble. C'est qui, du coup, qui est... C'est Félix Sanchez. Ah oui, de l'Aspire Academy, c'est ce que tu as tout publié. Et qui était sélectionneur du Qatar, donc. Et qui a longtemps bossé à l'Aspire Academy. J'en parlerai demain dans le 9-10 de cette histoire, pour bien rappeler aussi. Mais voilà. Donc, c'est Félix Sanchez qui a été nommé. C'est une grosse surprise, hein, j'avoue. On l'a pas vu venir, celle-là. J'avoue que je suis très hypé par le truc, parce que quand tu vois ce que Félix Sanchez a fait du Qatar, je sais que beaucoup vont garder en tête le Qatar qu'ils ont vu à la Coupe du Monde, qui n'est absolument pas celui que l'on a connu de 2019 par exemple, qui était vraiment prêt plus tôt, même celui de celui de 2019 qui gagne l'Asian Cup et qui fait une très belle Copa América. C'était une équipe qui jouait très très bien au football. Ouais, c'est très hypé parce que là pour le coup, il va mettre en place, je pense, son style de jeu, qui est un style de jeu très particulier, très école Barça, parce qu'il vient du Barça lui aussi, et on peut s'attendre à un équateur de possession, ouais, très probablement. On va voir s'il arrive à inculquer, en tout cas le matériel qu'il a est largement forcément supérieur à ce qu'il avait au Qatar. Et quand on voit ce qu'il en a fait au Qatar, moi je suis très hypé, hein, parce que c'était l'Équateur de Félix Sanchez. Voilà. Et puis c'est toujours dans... Pardon, excuse-moi. C'est toujours dans cette filiation, hein, parce que j'en parlerai demain. Il y a des liens entre l'Aspire Academy, qui est une source d'inspiration et d'échange de techniciens. Oh là là, il a failli y avoir un but de River, Nacho Fernandez. L'action était belle. L'action était très très belle, et Nacho qui demande un corner. Alors là, pour le coup, il n'y a jamais corner, je pense. Hein. On commence à voir des choses intéressantes dans ce River là. Enfin. Ouais, ça va mieux. Après, on regarde défensivement comment c'est de l'autre côté, quoi. Oui. Il avait peut-être corner, hein, il avait peut-être raison. Ouais. En fait, le numéro 2 nous cache un peu la vue. Oui. Mais ton pote Pierre Barrios. Après le... J'étais en train de regarder les matchs de l'Australie. Là, moi, j'ai un Australie-Équateur et yep. Australie-Équateur, ils vont se jouer 2 fois. Ouais. Ah, ok. Oui, monsieur. Il y a une brève sur Hello la semaine dernière, monsieur. Ah, j'ai pas vu, monsieur. Alors que, par contre, très bon truc, d'ailleurs, en parlant des brèves, ce que tu as fait sur Discord, là, pour avoir les dernières actus, je trouve ça top. Si vous n'êtes pas sur Discord, il y a un channel où ça nous liste les dernières news à chaque fois et c'est bien pratique. Yep. Exactement. T'as vu, c'est un bot. Je gère des bots. Incroyable. Ouais. Non, mais... Je pense que ça t'a fait plaisir, parce que c'est un bot. Hein, il y a des chances. Disons-le. J'aime bien les boîtes. Disons les termes, Vincent. Disons les termes. C'est pas moi qui l'ai développé. C'est pas moi qui l'ai développé. Et en fait, j'en ai mis un donc pour ça et un pour les vidéos YouTube. Et comme ça, chacun est sur son channel séparé. Et comme ça, en gros, vous ratez rien des actus de Hello sur le Discord. Puis voilà. Et je suis content parce que ça marche bien le truc. Donc c'est cool. Ouais. Après, le dernière vidéo fait un peu doublon parce qu'en fait, à chaque fois que tu publies une vidéo, je crois que tu publies aussi une actu. Donc ça apparaît aussi dans les dernières actus. Si je dis pas de bêtises, mais bon. C'est vrai. Au moins, ceux qui sont juste intéressés par les vidéos, ils peuvent aller sur le channel. Mais il y aura moyen pour que ça fasse pas doublon. Ouais, je vois ce que tu veux dire, tu tags. Mais après, la différence, c'est que... Non, il y aura moyen que ça fasse pas doublon sur certains. Ça fera forcément doublon avec les podcasts, mais si tu fais bien attention, il y a la vidéo qui sort sur YouTube, mais ensuite, il y a l'article sur Hello où il y a tous les liens vers les autres moyens pour écouter le podcast, et justement les plateformes de podcast. Donc, à la limite, c'est pas vraiment un doublon. Mais quand il y aura des reportages ou des choses comme ça, je ferai en sorte qu'il n'y ait pas de doublon. Yep. Ah, et aussi, il y a un truc, renomme le channel, il s'appelle Emsion. J'ai oublié de te le dire, mais ça me stresse. Il manque un I entre le M et le S. Mais c'est juste... Je l'avais pas vu. Une fois que tu le vois, tu deviens fou, en fait. Tu le vois tout le temps. Bah, je l'ai pas vu. Rien de bien grave. Oh là là, bien vu. Bien vu. Regarde, je te le fais en direct. C'est fait. Waouh. Incroyable. Nickel. Une vie vient d'être sauvée, les amis. Ça va mieux. Voilà, bref. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. C'est un match intéressant ce soir. Ah, on voit un grand match. Même si, franchement, on va pas être méchant. Tu vois, autant on a été très... Enfin, pas très dur. On a été réaliste sur la première mi-temps. Bon, même si Ibra, en mode supporter, l'a trouvé intéressante. La deuxième mi-temps de River est beaucoup plus intéressante. Il n'y a absolument rien en face. Ça, pour le coup, il n'y a rien en face. On va pas se mentir. Il y a une équipe qui joue en face. Mais voilà. En parlant de Discord, est-ce que tu pourrais faire les sondages je vais essayer Red Rouge et je compilerai les deux. Ok. Ça marche. C'est noté. Je crois que tu me l'avais déjà dit, il me semble, et je ne l'ai pas fait la dernière fois. J'essaye d'y penser pour demain. Et j'essaierai pas d'y penser, j'y penserai. Je sais comment je ferai. Pour les Golasso Hello ? Ouais, pour les Golasso Hello, mettre aussi le sondage sur Discord parce qu'effectivement, il y a des gens qui n'ont pas Twitter. Et c'est tout à fait remarquable. Vous ne perdez pas grand-chose sur Twitter. Non, franchement, des fois, la toxicité de ce réseau. En fait, ouais, il est aussi génial qu'affligeant, quoi. Ouais, après, très franchement, moi, je t'avoue que... Moi, Twitter reste mon réseau social préféré. Hein. Je déteste Facebook. Je trouve ça inintéressant. Je comprends rien à Instagram, mais c'est parce que, vous voyez, j'ai de la barbe blanche, je suis vieux. Moi, je vois mes gosses sur Instagram, mais je ne sais pas ce qu'ils y font. Je comprends rien. C'est TikTok, maintenant. T'étais en retard, c'est TikTok. Non, mais mes gosses, ils n'ont pas 10 ans. Voilà. C'est bon, ils ont passé l'âge, tu vois. Et de TikTok ils n'y ont jamais été. Hein. Tu serais... Ah, bah, éloigne-les-en. Non, mais ils n'y ont jamais été. Franchement, ils n'y ont jamais été. Les deux n'y ont jamais été. Le dernier est en train, arrive un petit peu sur Twitter pour son truc, pour son site et tout, pour son blog et tout. Et sa grande sœur n'a jamais été sur TikTok, elle est même pas sur Twitter. Et elle fait des trucs sur Instagram seulement, quoi, tu vois. Mais elle a que Instagram comme réseau social, elle a même pas Facebook ou rien d'autre en fait. Après Facebook, honnêtement, c'est... Moi, je m'en sers que pour les groupes, tu sais, genre... Mais je rejoins ce que dit Nostromo sur Twitter. Moi, pour moi, c'est le meilleur réseau social. Hein. Vraiment, il est... Indépendamment de ce qu'on pense, de ce qu'a fait Musk ou machin et tout. Mais très franchement, après, on va pas se mentir non plus. Hein. Hello est là aussi. On est là où il est aussi, en grande partie, grâce à Twitter. Hein. Parce qu'on s'est fait connaître là-dessus. Et après, comme dit Nostromo, faut être sélectif sur ce qui est proposé. Après, très franchement, les nouvelles versions depuis que Musk... Voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. T'as des trucs qui remontent, tu fais « Merde, j'ai jamais demandé ça, moi. » Donc, l'algorithme, là, il part un peu en sucette. Hein. Même quand tu vas, tu sais, dans la zone spéciale où t'as que tes abonnements, des fois, t'arrives quand même à avoir des trucs qui sont pas dans tes abos. Et exactement. Exactement. Et après, j'avoue que le... Oh, ben, elle passe en retrait, la frappe contrée. Ils veulent pas me le mettre, hein, 74e minute. Et pourtant, je suis prêt à cliquer. Putain, je suis prêt à cliquer. Je te jure. Mais c'est vrai que l'algo a changé, fait remonter des trucs par main là ces derniers temps, enfin pas ces derniers temps, depuis plusieurs mois, tu te dis mais comment ça peut apparaître dans ma timeline quoi. Et de toute façon, il a tout flingué. T'as vu que Elon, il a pété un câble parce que je crois que Biden a eu plus de vues sur son tweet que lui. Alors du coup, maintenant, Elon Musk est genre, il est affiché partout tout le temps. J'ai tout le temps des tweets de Musk. Non, c'est une catastrophe. Ça a été prouvé en plus. Moi, je t'avoue que le truc que je trouve le plus terrible, très franchement, c'est Twitter Blue là, avec tous les gens qui commencent à l'avoir. De plus en plus nombreux, donc tu as des mecs qui commencent à l'avoir, qui ont une certif, alors que tu sais que, tu vois, avant la certification, c'était, oh, il y a VAR. Il y a VAR, qu'est-ce qu'il a vu, monsieur Tronco ? Un penalty, ouais, ouais, pour moi, il y a pénal, là. Ouais. Pour moi, c'est pénal, ça. Hein. Ah oui, oui, clairement. Et le triplé, éventuellement, pour Beltran. Tu crois que Barco va lui laisser ? Bah, franchement, tu... Il a 2 buts, quoi. Laisse-lui le, ouais, bah, laisse-lui le triplé. Ouais, ouais, il y a péno, il y a péno. Ah, c'est peut-être pas pénal, dans la surface. Hein. Ah. Le problème, c'est qu'ils ont... C'est sur la ligne. C'est sur la ligne. C'est qu'ils n'utilisent pas l'angle qu'il faut pour le voir. Hein. Donc... non. C'est ni celui-là, ni celui-là. Il faudrait une autre caméra, les gars. Ouais, ça... Non, si, c'est dedans, c'est dedans. Pour dedans. Moi, c'est dedans. Ouais, c'est dedans. Il le touche dedans. Parce que c'est sur la ligne et la ligne est dedans. Ouais. Donc... Puis même, tu as toujours ce truc. Si ça commence hors de la surface mais que ça termine dedans, normalement, c'est pénal. Mais pour bon, moi, là, je sifflerais. 275 ralenti, là, quand même. Non, pénal. Allez. Qui va le tirer? Pénal. Préparez-vous, messieurs, dames. J'oublierai pas. Préparez-vous. La souris. Et je suis prêt. Ça va pas... Tu vois, regarde qui a le ballon. Ah, regarde bien chaud. Qui a le ballon, Vince. Ah oui, sauf si ça rate. Ça serait l'effet hello. Et qui a le ballon? Barco. Et ça peut rater avec Barco, remarque. Préparez-vous, le peuple attend. Hein. Le peuple attend. Ézéchiel. Ézéchiel, si tu nous lis, si tu nous entends, ça le fait rire. Mais je suis d'accord avec toi, il aurait dû le laisser à Beltran. Ouais, non, là c'est chaud. D'ailleurs, la réalisation argentine, hein, le gros plan sur Beltran qui se rapproche de la zone. Après, c'est compliqué parce que Beltran a tiré le péno juste avant aussi. Hein. Ouais, mais tu vois, il a l'occasion de mettre un triplé. Enzo Pérez, ça va, il est bon en ce moment. Beltran qui reste dans le coin en mode genre, tiens, si tu pouvais penser à moi, et il s'en va tête baissée. Je pense qu'il l'a mauvaise un peu là. Hein. Bah, normal. Et normal. Hein. Moi, je comprends. Ouais, en même temps, mais il va le rater, et donc il va avoir encore plus la haine. Préparez-vous, messieurs, dames. 78 minutes de jeu dans ce match. Ézéchiel Barco pour Choc. Contre le numéro 50. Contre Diego Rodriguez. Ah, je crois que tu es en avance. Goal de River. Vous l'avez eu, messieurs, dames. 3-0 pour River. On l'a eu, ça y est. On l'a eu. Ça fait 3-0. Victoire confortable. On avait dit qu'il n'y aurait pas forcément grand danger pour River hein, dans ce match. Voilà, c'est confirmé. Mais pour le coup, c'est confirmé au tableau d'affichage aussi et aussi dans la manière sur la deuxième mi-temps quand même, hein, on peut le dire. Ouais, ça va mieux. Après, on reste sur ce qu'on disait que la défense de Godoy, franchement, carnage, hein. Tu vois, encore le penalty. Autant le gardien, c'est ridicule d'aller là-dessus. Bon, après, il l'a sûrement pas vu venir, hein, tu vois. Mais là, même, ce qu'il fait, je crois que c'est Red Le Rouge qui nous dit que le défenseur de Godoy est con. Oui, bah, un petit peu. Ouais. Mais bon. River n'a pas eu besoin de ça pour être supérieur. Alors, Beltran était peut-être frustré de ne pas avoir tiré le péno. Et là, il va être encore plus content, puisqu'il sort. Ah. Très bonne gestion. Ouais, c'est dur. C'est très dur, franchement. Alors, il nous envoie 3 changements. Rondon. On va se retrouver avec Borja, Rondon. Et il me semble que c'est Santiago Simon, le 3e, qui est entré. Borja pour... alors, donc il sort Paradella. Nacho. Nacho. Je sais pas comment il va jouer. On va passer avec Rondon et... Attends, parce que Simon, c'est pas un joueur de côté? Bah, sous Gachardo, c'était plus de côté. On va passer en 4-4-2 classique, là. Ok, ouais. Je pense, hein. Je vais mettre Simon dans le côté droit et puis dans le couloir droit et voilà, quoi. Tu vois? Ouais, ouais, ouais. Parce que c'est vachement offensif, en plus. Enfin, tu vois, c'est pas un ailier droit de 4-4-2. Mais on va voir. Après, bon, tu mènes 3-0, donc tu peux tester des choses. Mais du coup, attends, ton milieu, c'est quoi? C'est Enzo Pérez, Aliendro, et à gauche, tu mets qui? Barco. Ah oui, Barco, putain. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Qui rentre à la place de Nico, de la Cross. Oui, oui, oui. Ouais, là, ça a du sens, du coup. Là, tu passes en 4-4-2 classique. Ouais, ouais, avec tes 2 ailiers du 4-4-2 qui sont sacrément offensifs. Mais bon, vu ce qu'il y a en face, ça va. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas... Tu sais que tu vas pas être en danger, quoi. Tu peux y aller. Non, 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 tranquille. Et d'ailleurs, Barco, ça donne quoi? Ils vont l'acheter à Atlanta ou... Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout où en est l'histoire. Franchement, je t'avoue, j'ai pas suivi. Là, je le reconnais, j'ai pas suivi l'histoire. C'est Carlitos qui nous dit qu'on s'est fait taper par Godoy. Ouais. Je suis assez d'accord avec ta phrase. Ouais. Dire que tu t'es fait taper par Godoy, ouais. Pour ceux qui savent pas, chez Carlitos, c'est Racing. Hein. Pour sa défense, c'était à Mendoza, tu vois. Pour le coup, ça arrive de perdre à l'extérieur, tu vois. Oui. Oh, bah, tu sais. Oui, ça arrive, mais bon. Disons que normalement, face Racing, à ce Godoy-là, sur un mauvais jour, tu fais 0-0. Et rouge pour Hakan Sauro, qui prend un rouge à la 82e. Toujours 1-1 à la Plata. Entre les deux. Pas si bon résultat que ça pour Huracan. J'ai pas regardé la compo. Est-ce qu'il a fait tourner? Ah ouais, bah oui, non, mais c'est pour ça aussi. Il a carrément fait tourner. Bah forcément, hein, là, on le disait tout à l'heure. Là, il y a une question de... C'est plus la même saison entre jouer la phase de groupe de la Libertadores et la phase de groupe de la Sudamericana. C'est pas la même chose. C'est pas la même chanson. Totalement. Totalement. Ouais, c'est pas si mal, hein, du coup. S'ils arrivent à repartir... Bah, il reste encore 10 bonnes minutes. Repartir de la Plata avec un match nul, oui, ça va. Oui. Et mine de rien, hein, juste un petit point classement rapide, à l'heure qu'il est, River est 2e. À 1 point de défense de San Lorenzo, pardon. Ouais, San Lorenzo est assuré d'être leader à la fin. Boca, si on gagne, ça donne quoi? Ça nous donne 14 points, je crois, donc autant que Defensa et un de moins que River. Et sinon, Boca, oui, ça doit sinon, on reste 7e. Ouais, on a 11 points. C'est ça. Tu gagnes, tu te retrouves à hauteur de Defensa, tu perds, tu restes où t'es. Ouais. Mais en même temps, si tu arrives à perdre contre Banfield, c'est solide quand même. Tu sais, la ley del ex là, avec Chavez et tout, je le sens mal ce match. Je le sens mal. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, je me méfie. Quand même. Et demain, on a quoi comme match? Vélez Platense et Colonials. Oui. Hâte de voir le Vélez de Garica. Exactement, ouais, je suis assez d'accord. Ça risque d'être très compliqué pour Platense demain, quand même. Bah, surtout que Platense a tendance à jouer défensivement. On parle de la défense de Godoy, la défense de Platense, c'est à peu près aussi catastrophique, mais Platense, en général, essaye de jouer. C'est pour ça que les matchs de Platense sont toujours plus ou moins intéressants, hein, si tu regardes. Oui. Tu t'embêtes pas, hein, parce que tu as 1-1, 4-2, 3-1, 1-1, 2-1, 2-2. Ça va, tu vois, c'est pas des 0-0 tout pourri. Donc, hâte de voir, ouais. Surtout ce Vélez-là, avec... Bon, on a déjà parlé de Medina, Mais là, je pense qu'avec, j'ai pas envie de dire un vrai coach, mais avec quelqu'un qui semble un peu plus adapté. Bah après, je t'avoue que franchement, quand Medina signe à Vélez, c'est une bonne idée parce que son Tacheres était hyper intéressant. Ça jouait bien à l'époque où il a Tacheres quand il joue le titre. Il joue le titre face à Gachardo d'ailleurs. C'est le fameux match que River gagne à 10 contre 11, 1-0 je crois, ou 2-0, un truc comme ça, au Kempes. Oui. Où tout bascule. Donc voilà, ouais, j'étais en train de lire 2-3 messages dans le chat, on va y revenir après. Mais donc dans l'absolu, en plus avec la philosophie de Medina, parce que je me souviens que justement quand il joue le titre face à Gachardo, ça compare hein, Medina et Gachardo, parce que les deux ex-nationales, parce que les deux se sont connus, parce qu'il y avait des points communs sur certaines choses, et tu te dis, appliqué à Vélez, avec les joueurs qu'ils ont, le centre de formation qu'ils ont et les jeunes pépites qu'ils ont à ce moment-là, ça peut fonctionner. Sauf que effectivement, Medina a fait n'importe quoi à Vélez, mais vraiment n'importe quoi. Je comprends même pas qu'en fait, il ait débuté la saison, concrètement. Il aurait dû sauter en décembre, en fait. Il a tout fait. Oui. Il a fait all-in sur la Libertadores, alors qu'on savait très bien que dès qu'il allait croiser un Brésilien, il allait se faire exploser parce que son Vélez pouvait pas tenir. Et il a rien géré comme il fallait, quoi. Il a explosé ses deux gardiens, il a tué sa défense, il a fait n'importe quoi. Donc normalement, Medina, décembre, il aurait dû sauter, quoi. Donc, mais ça reste un bon coach, sauf que ça reste un très bon coach, sauf que à Vélez, bah, ça n'a pas fonctionné. À Vélez, il n'a jamais trouvé la solution, l'équilibre et tout. Ah, j'étais en train de me demander quand est-ce qu'il allait sortir Enzo Pérez. Enzo Pérez, 37 ans, qui continue à faire quasiment 90 minutes. Voilà, quoi. Et en même temps... Alors que ouais, tu pouvais le sortir avant, quoi. Mais évidemment, face à Godoy. Bon, moi, en même temps, il n'a pas de grande réserve. Hein. Non, mais regarde, tu le disais, tu es pour l'instant tranquille. Franchement, River a un calendrier qui est très, très tranquille jusqu'à la Libertadores. Le premier match un peu compliqué, ça va être Huracan. Ça va, quoi. Ensuite, bon, tu vas à Newell's, tu reçois Independiente, tu vas à Tucumán et tu reçois Boca. Là, ça va commencer à se compliquer un peu. En plus, tu as la Libertadores qui va se greffer. Mais c'est ça, en fait. C'est-à-dire que... Et c'est ça, le problème. C'est-à-dire qu'il est en train... Faut pas le cramer, quoi. ...de surutiliser Enzo Pérez dans des matchs sans réel intérêt, ou difficulté, plutôt. On va pas dire intérêt, on va dire difficulté. Et quand il va falloir, justement, aborder les gros rendez-vous, Enzo Pérez aura déjà été surutilisé. Ça peut coûter cher, hein. Surtout tant que tu ne récupères pas Craneviter, par exemple, tu vois. Donc la gestion, elle est compliquée. Après, c'est aussi compliqué de te passer de tes cadres parce qu'après, on va pas se mentir non plus. Enzo Pérez, son début de saison, il est incroyable. Hein. Oui. Après, de manière générale, il n'a pas souvent déçu à River. Non. Mais tu vois, c'est pareil, il y avait eu beaucoup de rumeurs à la fin de Gachardo en se disant tiens, Enzo Pérez va être arrêté, quitter River. On parlait d'un retour à Estudiantes parce qu'il était tellement très identifié Gachardo. Moi, je t'avoue que je pensais que ça sera le prochain entraîneur de River. Mais voilà, gardez cette phrase, on ne sait jamais. Gardez-la dans un coin, si jamais ça marche, je pourrais faire le malin là-dessus. Mais je pense qu'il est destiné à être entraîneur de River, Enzo Pérez. Mais peut-être qu'il ne le sera jamais, mais bon, pour moi, ça serait une évidence. Mais voilà, donc tu te disais que normalement, en plus, il y avait le recrutement de Craneviter. Tu te dis, bon, on commence à préparer la suite, quoi. Parce que 37 ans, le bonhomme, quand même. Et là, il empile les matchs. Après, il est bon, hein, mais il empile les matchs. Et quand tu vas jouer Palmeiras après avoir 15 matchs dans les jambes, ça va faire bizarre. Ouais, 15 matchs disputés dans des chaleurs folles. Oui, ouais, totalement. Là, le tirage au sort de la Sudamericana, je crois que c'est le 28 mars. On sait s'il y a à peu près la même chose pour la Libertadores. Je t'avoue que j'ai pas suivi. Je l'ai vu passer et je me rappelle plus. Je suis en train de chercher ça. Libertadores 2023. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, les bombos, je les connais déjà. Cuando es? Ah. Blablabla. Ah oui, et d'ailleurs, parlons du scandale. Pourquoi la finale se rejoue à Rio alors qu'elle s'est jouée à Rio il y a 3 ans? Parce que Brésil. Ouais, non, mais ça me rend ouf. Bah non, mais tu vas avoir une finale D'ailleurs, 100% Brésil. C'est complètement con de la mettre au fin fond du Chili. oh, t'as un... Pardon, il y a un stade en Argentine, je ne voulais pas utiliser de superlatif pour des raisons évidentes, qui est tout à fait adapté, et on est d'ailleurs en train de regarder un match dans ce stade-là. Pourquoi tu ne le joues pas au Monumental? Parce que tu n'envoies pas deux clubs brésiliens au Monumental en Argentine. Ça va être le bordel avec les Barras, ça va être le bordel partout. Franchement, après c'est bien, la CONMEBOL assume le fait que la finale sera encore 100% brésilienne cette année. Mais on le sait, hein, on se ment pas. Hein. Ouais, c'est ça. On le sait que la finale sera brésilienne. Bah, en vrai, moi, j'ai espoir que non. Hein. Mais s'ils continuent à les aider comme ça... Ouais, non, mais même sans les aider, il y a un fossé quand même. Ouais, mais regarde, franchement... Avoir Flamengo, encore une fois, mais... tu vois, à part Palmeiras, Flamengo... Je vois de Bolra. Je sais pas si tu l'as vu, mais Bolra, il a mis 3 semaines et demie pour contrôler un ballon. Ah non. J'étais en train de regarder, c'est le 5 avril. Ah non, mais attends. Non, ça commence. Le sorteo, c'est le 22 mars. Ouais, c'est ça. Apparemment. J'allais dire 23, mais ouais. Donc une semaine avant. Et ça commence le 5 avril, du coup. Intéressant. Ouais, intéressant. 2-3 questions. En parlant de Banfield, on sait comment Aleman a atterri dans ce club. Assez grosse surprise, en vrai. Ouais, après, je suis d'accord, mais... a beaucoup de problèmes, mais... C'est quand même un bon joueur de... En tout cas, la saison d'avant, il avait fait une très grosse saison. C'est assez drôle de le voir à Banfield. Ouais. Tu pouvais t'attendre peut-être un petit peu mieux. Mais va savoir avec les agents, tout ça. Voilà. Et puis, je suis pas sûr qu'il ait eu 75 millions d'autres propositions aussi, tu vois. Donc voilà. Il y a des équipes qui jouent 80 minutes à 11 contre 10 contre Banfield et qui n'arrivent pas à gagner. Oh, attention, Bolra, il est parti. Ouais, bah alors le contrôle. Voilà. Platense fait un sacré mauvais début de saison, c'est affolant. Ouais, ils n'ont pas été forcément très aidés par le calendrier quand même non plus. Ils ont fait quand même des bons bouts de match, je trouve. Comme disait Vincent, moi, les fois où je les ai vus jouer, c'est pas dégueulasse, hein. C'est pas Godoy, hein. Mais bon, on sait que ça va être compliqué pour Platense, hein. Oh attention. Ah, il y a faute. Ah, d'ailleurs. Huracan sera en finale face à Racing. Pose ce que tu as dans les mains. Check Carlitos, s'il te plaît. À Abu Dhabi. Ouais. Certaines visions de l'enfer. Hein. Huracan Racing en finale de Libertadores. Hein. Bon. Ouais. Après, moi, voilà. Le dernier souvenir que j'ai d'un Huracan en finale, ça me fait encore trembler. Hein, donc, Ouf. Voilà. J'en parle à chaque fois. Mais parce que c'est le genre de match où tu finis assis. Enfin voilà, c'est la finale de Sudamericana sur laquelle on reste assis en boule dans un coin. Hein. Donc je pense que dans les centres de torture, ils passent la finale aller-retour. Il y a des chances. D'ailleurs, tu sais, on en a parlé plusieurs fois. Qu'est-ce qui se passe si le dernier de la table annuelle est aussi relégué par les Promedios? Ça va être l'avant-dernier apparemment de la table annuelle. C'est-à-dire que tu auras forcément deux relégués juste avec les Promedios et tu auras vraiment un des derniers de la table générale qui sera relégué. Donc je pense que Pibe Volante, sans troll aucun, franchement, je m'inquiète un peu pour Independiente, faudra voir. Mais attention, quoi. Même si ça devrait le faire. Il voulait peut-être Tevez d'ailleurs, j'ai vu. Je ne sais pas si c'était fiable cette info. J'ai vu passer ça. Je ne sais pas combien de matchs tient Tevez à Independiente. Je dirais 3 à peu près. Sachant qu'il a quand même... Surtout vu le calendrier. Ouais, parce qu'il a quand même tenu à Central dans un contexte un peu particulier. Il a fini par claquer la porte. À Independiente, il y a moyen qu'il claque la porte en 3 jours. Hein. Et surtout que là, Independiente, ils jouent Colón, ils vont à San Lorenzo, ils reçoivent La Plata, ils vont à Central et ensuite Super Classico. Après le Classico contre Racing. Ensuite, ils vont à River. Là, les matchs d'Independiente, ça sent la catastrophe un petit peu. Déjà, je comprends pas que Stilitano il reste là. Pibé, je crois qu'il avait publié un tweet en mode c'était un agent double qui voulait se faire virer le plus vite possible pour ruiner Independiente. Je pense que la théorie, elle est pas si mauvaise que ça. Ouais, mais après, là, tu vois, d'un autre côté, c'est pareil. Quand tu connais le contexte à Independiente, quand tu connais la situation économique du club, Voilà, que tu vois où ils en sont actuellement, pour dire les choses clairement, la merde dans laquelle ils sont, ils peuvent nommer qui comme coach, très franchement? Ben. Euh, Je veux dire, tu Comment il s'appelle celui à National, là, qui va Zielinski? d'ailleurs Oh non, dégager. vas-y. Ouais. Tu sais ce qu'ils pourraient faire s'ils veulent faire un combo de l'enfer? J'en profite parce que Pibé est là. Rappeler Caruso Lombardi, le faire revenir sur un banc. Oh non. Et là, Oh non, Van et de là, Oud. Tu vois, Oh. on va encore bien rire, je pense. Et là, et là, on se marre. Ils sont capables de tout, hein, c'est à ça qu'on les reconnaît. Hein. Et goal des Estudiantes, Ouais. Ascasibar à la 94e. Eh, tu vois, ça te plaît, Pibé Volante, le retour de Lombardi. Mon Dieu, que je déteste ce garçon. Lombardi, hein, C'est pas... insupportable. Insupportable. Toi, C'est Pibé. le Mourinho argentin, hein, c'est autoproclamé Mourinho Quel argentin. enfer. Ouais, il est insupportable. Bah après, qui a envie d'aller Independiente? Après, tu sais, c'est toujours ce genre de questions, elles sont compliquées, c'est chez Carlitos, parce que Independiente, on a beau dire ce qu'on veut, ça reste Independiente, quoi. Et tu peux aussi, toi, le voir dans l'autre sens, en tant que si tu es entraîneur, ou de te dire, je serai celui qui va ramener ce club. Et franchement, ça a un côté, parce que tu te dis, si j'arrive à faire revenir, entre guillemets, Independiente, à le sortir de la merde, là, pour le coup, voilà, t'as pas fait ça n'importe où, quoi. C'est pas, j'ai sauvé Sarmiento, quoi. Puis regarde l'exemple. J'allais dire, regarde l'exemple de San Lorenzo, Insua, c'est incroyable ce qu'il a fait avec San Lorenzo. Exactement. Et par exemple, on va voir jusqu'où ça va tenir. J'en ai parlé avec mon fils, je leur prédis un destin à l'Atlético Tucumán l'année dernière, hein, San Lorenzo. J'espère que j'ai pas déclenché un effet Hello, parce que pour le coup, j'aime pas San Lorenzo, faut le dire. Mais Qui aime bien San Lorenzo? Je sais pas. Moi, que les choses soient claires. Je sais pas. Mais bref. Mais oui, c'est l'exemple type. Et tu vois, Pibé Volante pose la même question. Qui aime San Lorenzo? Mais c'est comme Casemiro à Man United. C'est ça, il y a des questions qu'il faut pas poser. Non, mais voilà, mais concrètement, oui, ce que fait Insua avec ce qu'il a, dans le contexte dans lequel il est arrivé, parce que c'est pareil, c'est un joyeux bordel, San Lorenzo. Et... Voilà, oui. Donc c'est possible, dans l'absolu, c'est possible. Donc voilà, tu vois, chez Carlitos, il peut y avoir un mec qui va se dire, je serai celui qui va ramener San Lorenzo, enfin qui va ramener Independiente. Donc voilà, chez Carlitos, moi j'aime bien San Lorenzo, d'accord. Bon. Ah bon? Normalement, les supporters de Racing, ils se battent tout le temps avec ceux de San Lorenzo pour savoir qui est le plus grand. Et les supporters de San Lorenzo disent que... Qui est le plus grand derrière les deux grands? Oh, derrière les trois. Derrière, oui, il faut pas dire. Quoique. on va pas lancer une troisième guerre mondiale sur le chat à cette heure-là, quand même. Ils ont l'habitude de se friter, les deux. Si le choix du club n'était pas émotionnel, mais rationnel, j'aurais eu à choisir entre San Lorenzo et Racing. Ah ouais. Bah, tu comptes les Est-ce que tu comptes les titres amateurs ou pas? Chez Carlitos, si tu comptes les titres amateurs, tu peux être que de Racing. Si tu détestes ça, t'es de San Lorenzo. C'est à peu près. Si tu détestes Boca aussi. Si tu détestes Boca, t'es plutôt à San Lorenzo. Oui, c'est vrai. Mais... C'est vrai. Même si ceux de Racing nous aiment pas forcément, mais ceux de San Lorenzo, San Lorenzo particulièrement, ouais. Ouais, ils sont insupportables. C'est vrai. Mais bon, bref, on laisse la question ouverte. Qui aime San Lorenzo? On vous condamne pas, hein, si dans le chat vous aimez San Lorenzo, vous avez le droit. Il y a des gens qui supportent Estudiantes aussi. Hein, ils sont pas méchants comme ça non plus. Mais ils ont pas choisi de naître en Angleterre, excuse-nous, quoi. T'es anglais, bon. Non, après, il y a des gens qui aiment Estudiantes. Hein, c'est vrai qu'historiquement, c'est une équipe qui a vendu du rêve. Les matchs San Lorenzo-Boca dans les années 90-2000, c'est des boucheries. Ouais, après, les matchs argentins... Tous les San Lorenzo-Boca, ouais. Ouais. En plus, hein, San Lorenzo-Boca, c'est un des classiques. Franchement, c'est tendu. Ouais. Non, mais chez Carlitos, quand tu dis Independiente devant nous, pas de mal à le dire. J'ai donné un exemple d'un ami à moi que Nico a pu rencontrer, Dylan, qui est de Racing aussi, est persuadé que Racing est meilleur, quoi. Enfin, ils vont te dire que, je sais pas, qu'Independiente ne gagne plus rien depuis 100 ans. Et je lui ai rappelé qu'Independiente a gagné la Sudamericana il n'y a pas si longtemps, quoi, alors que Racing, ils se font sortir par River Plate Uruguay, quoi. Mais, Mais c'est dommage, hein, Racing devrait aller beaucoup plus loin dans les compétitions continentales. Tu vois, ouais, mais Racing s'il ne choquait pas, ça ne serait pas Racing. Plaisir. Voilà, oui, c'est ça, exactement. Parce que Racing va te sortir Flamengo au Maracana et ensuite, ça se trouve, ils perdent contre Defensores contre Chadelmono, quoi. Voilà, mais bon, bref, voilà. Festival 3-0, nous dit Ibra. Deuxième mi-temps, très bonne. Là, pour le coup, autant la première mi-temps, moi, j'avais parlé de soupe populaire. La deuxième mi-temps, pour conclure sur ce River Godoy, très bonne deuxième mi-temps de River. Peut-être l'une des meilleures deuxième mi-temps de River depuis le début de la saison. Ah non, 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 franchement, à la mi-temps, j'ai clairement dit que quand on avait été habitué au caviar, la première mi-temps de River, c'était de la soupe populaire. Hein, donc, c'était pas bon. Franchement, c'était pas bon. Ils ont des plots en face. Hein, Godoy, il n'y a rien. Hein. Donc, faut pas se mentir. Mais voilà, par contre, Barco, attitude naze, ouais, ça, on est d'accord. Il y a des gens qui sont persuadés que Mason Mount est un joueur générationnel. Très chaud le Che Carlito. Voilà, Mason Mount que mon fils insulte régulièrement. Non, je rigole, il insulte pas, il n'a pas le droit, mais il n'aime pas particulièrement. Bref, en même temps, hein, voilà, il a quand même le défaut de suivre Chelsea. C'est déjà un problème que je n'arrive pas à régler. Surtout en plus que maintenant que Enzo Fernandez est arrivé là-bas. Mon Dieu. Bref, voilà, 3-0 River score final. On va arriver au bout de cette soirée Sudam. Vous voyez, on a parlé de beaucoup de choses autres que le match. On se demande vraiment pourquoi. Non, on se le demande plus. Après, c'est le principe aussi. Hein. Ouais, c'est le principe aussi, c'est de se poser, de parler de foot sud-américain. Et puis aussi hein, d'en profiter pour chambrer, parce que ça fait partie du jeu, parce que ça fait partie de la culture argentine. Il y a plein de Français qui ne l'ont toujours pas compris. Qui ne le comprennent plus d'ailleurs depuis un soir de décembre. C'est pas grave, ça reviendra un jour. Tout à l'heure, allez Banfield, nous dit Ibra. J'aime ton fils, grand homme. Bah écoute, je l'espère qu'il sera un grand homme. Voilà, il a pas vraiment de club en Argentine, même s'il a un maillot de River, Julian Alvarez, hein, faut pas déconner non plus. Bref, voilà, on va en rester là pour cette soirée Sudam. On va se donner rendez-vous ici demain à 21h pour le 9-10, retour du 9-10. Il n'y en a pas eu lundi dernier, là il y en aura un demain. On passera 1h30, donc 1h, 1h30 à parler de nos foot. Je le disais, hein, il va y avoir une belle page asiatique pour le coup demain. Donc 21h pour cela, n'hésitez pas à suivre sur les réseaux sociaux, vous les avez vus au-dessus de ma tête. Là, vous les voyez au-dessus de ma tête, mais je les avais vus tout en haut toute la soirée. Merci à ceux qui étaient présents dans le chat. D'abord à eux. Merci à toi, Vincent, d'avoir été là une fois de plus. Avec plaisir, comme d'hab. Et puis, oui, avec plaisir, comme d'hab, évidemment. Évidemment, je vais te laisser aller glisser tranquillement vers ton Boca. Et si vous voulez aller chauffer Vincent pendant le match de Boca, n'hésitez pas à le chauffer sur son Twitter. Je l'ai passé tout à l'heure, le lien, le Boca Juniors France. Allez-y, surtout si ça fait un match bien pourri face à Banfield, vous pouvez y aller. Je vous conseille des mots-clés, Consejo et Ibarra. Voilà. Là, ça devrait... Vicha. Pensez à dire que Vicha est le facteur X de Boca. Toujours. Bref, voilà, on va vous donner rendez-vous demain pour le 9-10. Semaine prochaine, il y aura un live nord-américain le samedi soir, normalement, parce que là, il n'y aura pas de souci. Il y aura une soirée Sudam dimanche soir à surveiller. Il y aura peut-être d'autres lives dans la semaine qui s'improviseront. Tout ça, vous le verrez. Il y a quoi comme Je ne sais pas du tout, j'ai pas regardé, donc on va voir. Bref, surveillez sur les réseaux sociaux, j'annoncerai si jamais on improvise des lives ou pas. D'ailleurs, je sais pas parce qu'il faut que je vois, il y a deux soirs où je bosse jusqu'à minuit, 1h, donc voilà. Bref, on verra. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à suivre la chaîne, abonnez-vous si vous le pouvez. Merci à ceux qui regardent en replay, parce que je sais qu'il y en a qui regardent en replay sur YouTube. Pareil, abonnez-vous, n'hésitez pas, laissez des coms si vous voulez et tout. La base, hein, la base de tout streamer, youtubeur, il faut qu'on le dise, il paraît. Voilà, je ne m'y suis pas encore fait, mais bon, bref, voilà. Merci à vous tous, on va vous souhaiter une bonne nuit et on vous donne donc rendez-vous demain pour le 9-10. Salut tout le monde. Bonsoir. Go!